Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette 24e session des tutos Amatée qui sera consacrée aujourd'hui à la transcription automatique. Élise Tancoigne, qui est postdoctorante à l'Université de Genève, qui travaille en histoire et en sociologie, va tenter de répondre à cette question. Peut-on tout retranscrire automatiquement? Est-ce que c'est un rêve qui peut être enfin accessible? Donc Élise, je vais te laisser la parole pour une heure de présentation et après on partira sur une discussion sur ces outils ou ces plateformes de transcription automatique. D'accord. Alors, merci Benoît. Donc, tout d'abord, je voulais donc préciser que je vais faire cette présentation au nom de tout le groupe de travail qui a contribué à cette étude et dont les membres sont actuellement aussi présents parmi les personnes qui nous écoutent. Donc, ils seront là aussi pour répondre aux éventuelles questions qui pourront se poser pendant la présentation. Alors, je voulais remercier les organisateurs des tutos Mathé. C'est d'autant plus important pour nous en fait de pouvoir présenter auprès de vous que l'histoire de ce groupe est vraiment liée au réseau méthodologique MathéSHS, puisque l'idée de ce travail est née sur une mailing list, la mailing list du réseau. Alors, ah oui, il faut que j'utilise ça, voilà. Donc on avait pensé que c'était important de pouvoir un peu rappeler comment ce groupe avait été né, puisque un certain nombre de choix qui ont été faits dans le cadre du travail sont intimement liés à ces conditions d'émergence en fait. Donc en gros, l'année dernière, au mois de mai 2019, une utilisatrice avait écrit sur la liste en demandant des conseils sur une plateforme de transcription automatique qui s'appelait Vocalmatic. Et elle avait eu plusieurs réponses, mais personne en fait n'avait spécifiquement utilisé cet outil. Par contre, un certain nombre de gens avaient utilisé d'autres outils. Et donc moi, dans un grand élan d'ambition complètement immesuré, j'avais proposé qu'on essaye de partager un peu nos différentes expériences en simplement sur ces plateformes, en prenant un fichier audio d'entretien par exemple, et puis en le passant sur, en se partageant le travail, en le passant sur différentes plateformes. Et ensuite en comparant les résultats. Que n'avais-je fait? Je m'étais pas du tout rendu compte, et je pense que les gens qui m'ont suivi non plus, du travail que ça, en fait, que ça nécessiterait de faire ce genre de répondre à ce genre de questions. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'après ma proposition, il y a un certain nombre de gens qui ont répondu. Ah oui, il faut encore que j'aille là. Certain nombre, ah oui. Hop, un certain nombre de gens qui ont répondu à cet appel-là. Donc, vous voyez, sur les 2 jours qui ont suivi en fait ma proposition, il y a pas mal de personnes qui étaient intéressées. Et très rapidement, en fait, la discussion a été faite a continué sur une autre mailing list avec une trentaine de personnes qui se sont inscrites et qui étaient prêtes à faire le travail. Donc, pourquoi est-ce que ça a intéressé autant de monde? Finalement, c'est parce que ces plateformes qui ont vraiment émergé, disons, dans les 2 dernières années, elles ont énormément de promesses qui sont très séduisantes. Là, vous avez un exemple, c'est Sonix qui nous dit sur sa page d'accueil qu'il promet en fait des transcriptions et des éditions de fichiers audio qui sont rapides, simples et surtout abordables en termes financiers. Donc, c'est des promesses particulièrement en termes d'économie, de gains enfin, financiers. Donc, quand on sait que par exemple, en général, pour 1 heure d'enregistrement, ça demande 4 à 6 heures de retranscription, on peut évaluer simplement en termes purement financiers hein, les coûts à entre 80 et 140 euros par heure, alors que ces plateformes-là, elles proposent des choses qui sont plutôt de l'ordre de la dizaine d'euros par heure. Et puis, encore plus quand on va sur des sites professionnels de retranscription professionnelle avec des tarifs qui vont en général entre 150 à 300 euros par heure. Donc, c'est beaucoup de promesses qui paraissent très séduisantes pour, j'imagine, un certain nombre d'entre nous. Alors, très rapidement, un petit groupe s'est constitué. Alors, ah oui, travaille énormément de groupes, sauf le thème du PowerPoint, qui est complètement ma responsabilité. Donc, ce orange et ces illustrations qui font en fait référence à un certain nombre de choses qu'on a vécues pendant le confinement, donc garde d'enfants et cuisine, vous allez le voir un peu tout au cours de la présentation. Donc, très rapidement, un petit groupe de 6 personnes s'est constitué pour un premier Skype. Et c'est parti, en fait. Ça a démarré comme ça. Hop, donc on a en fait le groupe s'est stabilisé très rapidement autour de 6 personnes, avec les collaborations ponctuelles de 3 autres personnes qui étaient mentionnées sur la première diapositive. La particularité donc de ce travail, c'est il a été fait entièrement à distance entre des gens qui ne se connaissaient absolument pas, qui se sont toujours pas rencontrés en fait.
et sans financement, c'est-à-dire des conditions optimales pour réaliser quelque chose, pour faire un travail de groupe. On a choisi en fait en termes d'outils et de plateformes, enfin de travail collaboratif, d'utiliser essentiellement des outils institutionnels ou libres et ou gratuits. Donc là, en termes de visioconférence, vous voyez qu'on a utilisé Jitsi pendant le confinement, puis on avait au départ Renater, mais il y a eu des problèmes après pendant le confinement, donc on a changé pour Jitsi. Et en termes de partage de fichiers et de travail sur les fichiers, on a privilégié Framacalc, UTBox, qui est un service de stockage de partage de fichiers qui était fourni par l'Université de Tours, donc où travaille un des membres du groupe. Et puis pour le document collaboratif, puisqu'un rapport est en cours de rédaction et sera normalement disponible en début de l'été, on a travaillé avec ShareDocs sur Humanum. Au départ, on a fait un travail avec tout le groupe, c'est-à-dire pour le choix des plateformes, le choix des fichiers, le partage des plateformes entre nous pour faire les premiers tests. Et puis ensuite, ce qui a permis en fait à chacun d'avoir une vue sur l'ensemble du processus de transcription, depuis le fichier audio jusqu'au résultat obtenu. Et ensuite, on s'est divisé en différents sous-groupes pour avoir en fait une vue transversale sur des questions précises. Donc chaque sous-groupe a traité une question sur toutes les plateformes, ce qui a permis en fait à tous les membres du groupe d'avoir à la fois une vue transversale et une vue horizontale du processus complet en fait. Donc au bout de 12 séances de réunion commune, plus de 300 messages, des centaines de fichiers et pas mal d'heures plus tard, qu'est-ce qu'on peut vous raconter aujourd'hui? Alors, la première question à laquelle on a dû répondre, c'est finalement qu'est-ce qu'on voulait évaluer? On avait tous des disciplines, on venait de disciplines différentes, donc il y a en gros trois grands courants qui étaient représentés dans notre groupe, plutôt des sociologues d'un côté, des linguistes, et puis des spécialistes de l'audiovisuel. Donc on venait en fait dans ce projet-là avec des envies et des besoins différents qu'on a partagés et dont on a tiré des directions pour notre étude. Donc déjà, on a commencé par faire un rapide état des lieux de ce qui existait finalement sur ces outils de transcription comme comparaison. Donc ce qu'on a constaté, c'est que la plupart des comparaisons qui avaient été faites, elles concernent principalement des comparaisons sur des outils, des signaux en anglais, pas forcément des données de recherche. Donc c'est des enregistrements qui sont pas forcément dédiés ou spécifiques à des données de recherche. Et puis, en plus, la plupart des approches sont partielles, c'est-à-dire qu'elles traitent un seul des aspects. Par exemple, là, l'image que vous avez, c'est extrait d'une comparaison qui a été faite par un informaticien irlandais, Tim Boons, en 2019, qui en fait a utilisé simplement, c'est un gros travail, hein, il a fait une comparaison de lexicale en fait avec des indices statistiques, en l'occurrence un indice qui s'appelle le WER, le Word Error Rate, le taux d'erreur de mots, pour comparer en fait différents fichiers qui sont ici en colonne, là, sur différentes plateformes qui sont en ligne, et ensuite il utilise des couleurs pour montrer en fait la déviance par rapport à la médiane. Donc en gros, sur un fichier, enfin sur une plateforme, il y a une médiane à travers les fichiers, et puis il utilise des couleurs qui sont plus ou moins proches, enfin suivant que le fichier est plus ou moins proche de la médiane. Et donc ça, c'est souvent ça qu'on a trouvé en fait, et pour nous c'était pas suffisant parce que ça permettait pas de comprendre en fait quelles étaient les erreurs sur lesquelles les plateformes butaient, d'une part, et d'autre part, et donc quel type de fichier posait particulièrement problème, et d'autre part, ça permettait pas de savoir ce qui intéressait aussi un grand nombre d'entre nous, c'est-à-dire concrètement combien de temps ça peut faire gagner d'utiliser ce genre d'outils. Du coup, on a décidé en fait de travailler sur 8 plateformes avec 6 approches, enfin 3 approches différentes, pardon. Donc les plateformes qu'on a retenues, en fait, ce sont des plateformes uniquement de transcription automatique, sans a priori d'intervention humaine dans les résultats qui nous sont fournis, et qui sont aussi qui traitent le français. C'est-à-dire que tous nos corpus sont des corpus en français. Tous les corpus qu'on a testés sont des corpus en français. Donc les 8 plateformes sont les suivantes: le fameux Vocalmatic qui a démarré tout ça, GoTranscribe, HappyScribe, Sonix, Vocapia. Ce qu'on voit pas très bien ici en bleu, c'est Vidéo Indexeur, Headliner et puis YouTube. Un certain nombre d'entre nous, dans les pratiques, utilisant des outils qui sont a priori pas faits pour la transcription, mais les détournant à des fins de transcription. Donc, on trouvait intéressant que ce type d'usage soit aussi représenté dans notre étude, en fait.
Donc, ce que vous ne trouverez pas dans cette étude, ce sont des évaluations des outils d'aide à la transcription manuelle. Donc là, on peut par exemple penser à Sonal. Pour ceux qui s'intéressent à ce type d'outils, donc qui simplement permettent de rendre le travail de transcription par un ou une transcripteur ou autrice plus facile, enfin, je vous recommande de suivre le tutoriel du coup de Mathé SHS qui a été fait par Thibaut Rioufré à ce sujet-là. Vous ne trouverez pas non plus d'outils de dictée vocale, donc par exemple Dragon ou VoiceNote. Alors, certains des membres du groupe ont voulu tester ces outils quand même, donc essayer de leur faire manger des audios et puis voir si ça sortait quelque chose d'intéressant. Le résultat a été sans appel, pas du tout. Donc, on s'est dit qu'on n'allait pas essayer de détourner non plus ces outils-là pour en faire quelque chose d'intéressant. C'était une perte de temps. Vous verrez au fur et à mesure de la présentation qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'idées, qu'on a testé beaucoup de choses, mais qu'il y a plein de choses enfin, plein de pistes qui ont mené à des non-lieux, en fait. Et du coup, on n'a pas non plus, vous trouverez pas ici l'outil de transcription qui mêle intelligence artificielle et transcription humaine, parce que ça, c'est souvent, enfin, une des raisons principales et toute bête, c'est que c'est des services qui coûtent beaucoup plus cher et on n'avait pas de budget pour faire ce type de choses. Donc, on s'est vraiment focalisé sur les plateformes automatiques. Pas non plus d'outils qui sont uniquement sous forme d'application et donc les plateformes qui traitent pas le français. On en avait certaines au départ qu'on a laissées de côté, qui sont par exemple Rêve, Descript et Temi. Voilà, donc on a gardé nos 8 plateformes. Alors les besoins en fait qu'on a identifiés parmi les membres du groupe, et on est très heureux en fait si vous pouvez aussi parmi ceux qui nous écoutent nous faire part de vos besoins à vous pour voir dans quelle mesure ça peut compléter ce que nous on a identifié mais qu'on n'aurait pas vu en fait, sont les suivants. Donc certaines personnes étaient plus intéressées par obtenir en fait un contenu sémantique. D'autres vont avoir dans leur domaine de recherche une attention fine portée à l'analyse des interactions. Donc, vous pouvez avoir un exemple de ça, d'analyse de situation interactionnelle. C'est par exemple pour des personnes qui vont s'intéresser aux relations de travail et qui vont avoir des enregistrements de réunions de travail et elles vont s'intéresser à la gestuelle des membres de cette réunion, à la façon dont ils s'interrompent, par exemple, qui interrompt qui, comment, combien de temps, au chevauchement de locuteurs. Donc, toutes ces analyses fines des interactions sont des choses qui peuvent intéresser des personnes dans le cadre de matériaux retranscrits. On a aussi des usages beaucoup plus liés à des questions d'enrichissement d'audiovisuel, donc en termes de sous-titrage ou d'indexation de contenu, comme vous le voyez ici avec cet extrait de Ratatouille. Et puis aussi, bah, voilà, des usages de type études de grammaire de l'oral ou des choses comme ça. Et donc, en fait, en fonction des usages et des attendus qu'on a, les questions qu'on va poser et aussi l'exigence qu'on va avoir envers les plateformes n'est pas la même. Donc, si je vous donne un exemple concret, j'ai mis ici un même extrait, voilà, enfin, même discours, on va dire, retranscrit dans 3 formats différents pour 3 usages différents. Donc, le premier, ça serait un peu ce que j'ai appelé le contenu sémantique, donc pour des cas par exemple d'entretien en sociologie, en géographie ou autre. Donc là, on aurait locuteur. Ce qui est important, c'est d'avoir les locuteurs, les tours de parole, et puis le contenu. Donc, ouais, ben, j'ai eu au tel tout à l'heure au téléphone, il m'a dit qu'il devrait passer. Alors, éventuellement, ce qu'on a appelé alors les marqueurs de. En gros, tout ce qui est bas, tout ce qui est. Début de, enfin, chevauchement, hésitation, répétition, tout ce genre de marqueurs de langage peuvent être intéressants pour certains et pas pour d'autres, en fait. Donc, ça, c'est une granularité qui dépend de chacun. Pour un exemple de sous-titrage, on n'a pas du tout de majuscule, on n'a quasiment pas de ponctuation, éventuellement des points d'interrogation, mais c'est tout. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des balises temporelles. Et dans le cas d'une analyse, par exemple, de la production linguistique, vous avez ici toujours le même extrait, hein, donc ouais, ben, je l'ai eu au tel tout à l'heure, etc. Mais on a un enrichissement considérable avec des annotations qui concernent ici des catégories grammaticales. Et puis en plus, les lemmes des formes qui sont ici. Donc ici, on a la forme fléchie, par exemple, tel. Et là, on va avoir le lemme, c'est-à-dire la forme canonique telle qu'on l'a trouvée dans le dictionnaire, auquel cette forme fléchie est rattachée, qui serait téléphone. Donc du coup, on voit bien qu'on a trois, on n'attend pas du tout les mêmes choses en fonction de ce qu'on veut, enfin ce qu'on veut faire du fichier après en fait. Donc comment est-ce qu'on a fait notre choix? Il a bien fallu faire des choix. On a choisi d'évaluer
deux choses. D'une part, l'outil, c'est-à-dire ses fonctionnalités, vraiment en termes de caractéristiques de transcription, de format, qu'est-ce qu'il prend comme format en entrée, en sortie, l'ergonomie de la plateforme, éventuellement les outils d'édition qui sont associés, donc vraiment les fonctionnalités pures de l'outil. Ensuite, la question des tarifs et sécurité des données et confidentialité aussi. Et puis pour le résultat, donc c'est là où on avait des questions plus importantes, on a choisi finalement de retenir principalement la question de ce qu'on a appelé la fidélité lexicale. Et donc avec, si possible, essayer d'estimer si justement il y a un respect en fait par les plateformes de la granularité fine, c'est-à-dire les interjections, les onomatopées, enfin, ce qu'on dit les dissluents, c'est-à-dire les E, les 1, etc., les hésitations. Et puis aussi simplement le vocabulaire. Est-ce qu'il y a un signal, la précision en fait du signal transmis en vocabulaire retranscrit. Et alors on a voulu faire aussi évaluer la segmentation du texte, c'est-à-dire à la fois identifier les locuteurs, si les locuteurs sont identifiés, si les tours de parole sont bien identifiés, si la ponctuation fait sens, et aussi la qualité des balises temporelles justement fournies par les plateformes. Mais ça a été assez. On s'est rendu compte que c'était assez difficile en fait d'essayer d'avoir, comment dire, une sorte de référence à laquelle comparer nos résultats. Et donc, par exemple, c'est impossible en fait d'estimer que un texte va avoir une ponctuation de référence. Et c'est comme ça que les plateformes devraient le retranscrire. On a considéré que ça, c'était quelque chose qui était trop difficile à faire dans le cadre voilà de cette étude. Si vous avez des pistes là-dessus, comment est-ce que vous pensez qu'on peut estimer la qualité d'une ponctuation, on est preneur. Voilà, donc ça, on l'a fait plutôt sous forme un peu binaire. Est-ce que la plateforme tient compte des locuteurs ou pas? Oui, non, mais pas en termes de qualité, en fait. Est-ce qu'elle gère les balises temporelles? Oui, non, mais pas, une fois encore, pas forcément d'aller dans le détail de la qualité de ces différentes formes-là. Surtout, dites-moi si je vais trop vite, parce que je sais qu'en général, je vais trop vite. Donc faites-moi signe si c'est le cas. Alors les trois approches que j'ai mentionnées sont les suivantes. Donc trois approches complémentaires, c'est là où on a réalisé un peu de sous-groupe de travail. Donc une première approche qu'on a appelée l'approche quantitative classique, avec justement l'utilisation de cet indice de proximité lexicale que la plupart des études utilisent, le WER, le Word Error Rate. On a aussi, pour essayer de comprendre les erreurs, on a été au-delà de cette approche classique avec une caractérisation et une classification fine des erreurs de toutes les transcriptions obtenues. Donc ça a été un gros travail qualitatif, quantitativiste, enfin de calcul en fait sur des classifications qualitatives de ces erreurs. Et puis une approche qualitative avec plutôt une estimation en fait du gain de temps pour l'utilisateur ou l'utilisatrice qui récupère ses transcriptions, en comparant en fait la transcription, le temps de transcription manuelle simple au temps de correction nécessité par les fichiers obtenus par les plateformes. Alors, quel fichier audio? Une fois qu'on avait réussi à s'entendre là-dessus, il fallait s'entendre sur les corpus qu'on allait utiliser pour faire nos tests. Effectivement, au départ, sur la liste MathéSHS, j'avais mentionné un entretien. Mais c'était sans compter l'inventivité de toutes les personnes qui étaient intéressées par ce travail. Et donc, on a eu énormément de discussions, en fait, sur quel type de variations on voulait pouvoir prendre en compte dans nos corpus. Alors, c'est ce qu'on a appelé un peu les desiderata. Donc, on voulait que ces corpus soient représentatifs de nos données de recherche, qu'ils représentent une hétérogénéité de situations interactionnelles et aussi, si possible, une variété de phénomènes linguistiques. Alors, parmi les choses qui ont été discutées, pour vous donner un peu une idée de la variété en fait de tout ce qu'il peut y avoir en termes d'enregistrement, on a évoqué l'idée d'avoir des diversités de locuteurs, par exemple des enfants, des locuteurs non natifs, des locuteurs avec différents accents. On avait émis l'idée d'avoir une diversité de phénomènes linguistiques, comme par exemple des gens avec des bégaiements, d'avoir aussi des qualités audio différentes avec plus ou moins de bruit de fond. Avec des positions de micro variées sur le locuteur, sur une table, etc. Et même des dispositifs d'enregistrement variés, smartphone, dictaphone, régie. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait choisir un petit nombre de corpus qui essayent de maximiser une diversité de ces aspects, en fait. Et donc, ce qu'on a choisi au final, c'est quatre corpus
qui nous permettait de rentrer en fait dans nos contraintes de temps, puisqu'on avait choisi une approche qui était quand même en grande partie qualitative. Et puis on était quand même un petit groupe, donc on voulait pouvoir rendre la tâche possible. Et aussi pour des histoires de contraintes financières, puisque une grande partie de ces outils sont payants et on voulait pouvoir rester dans les limites d'utilisation en fait gratuite d'essai que ces plateformes proposent. Donc on a choisi 4 corpus sur lesquels on a appliqué nos 3 approches et sur 8 plateformes, ce qui fait au final presque une centaine d'analyses qu'on va vous présenter, enfin que je vais vous présenter maintenant. Alors ces 4 corpus sont les suivants. Donc ils ont un petit nom. Par la suite, on va plutôt garder le logo, comme ça c'est peut-être un peu plus simple. Il y a physionomie ici, donc qui est un texte lu, c'est pour ça qu'on a un petit livre, qui présente, donc c'est un texte des essais de Montaigne. Il a une qualité audio excellente et il a un peu un challenge pour les plateformes qui est qu'une grande partie de son vocabulaire est un peu ancien. On a un corpus qui s'appelle Contine, ici avec le petit symbole du diplôme, parce que c'est un cours universitaire en présentiel sur les comptines. Sa qualité audio, elle est bonne et c'est un monologue en public. Donc, c'est un peu représentatif de tout ce qu'on peut avoir comme enregistrement sur des conférences, des podcasts, des radios, des choses comme ça. On a ensuite Camille, qui est plutôt un corpus de type entretien sociologique, avec une qualité audio qui est bonne, mais un des locuteurs qui a des difficultés phonatoires liées à un handicap physique. Et puis on a Harmonie, qui là est le truc pas sympa pour les plateformes, une réunion associative avec beaucoup de bruit ambiant, une dizaine de locuteurs qui se chevauchent, qui s'interrompent tout le temps. Donc ça, c'est notre dernier corpus, Harmonie. On a choisi des extraits de 5 minutes. Au départ, on était parti sur 20 minutes, et puis pour ces histoires de temps de transcription, enfin de gratuité, on a réduit. Et en fait, c'est sans doute lié aussi à ça, la plupart des études qu'on a trouvées sont entre 2 et 8 minutes. Donc la plupart des études, finalement, sont basées sur des très petits corpus, enfin des corpus de petite taille. Malgré tout, c'est quand même quasiment entre 600 à 800 mots, ce qui nous a permis d'avoir une très bonne idée, en fait, finalement, de ce que chaque plateforme pouvait donner, en fait. Alors là, c'est là que je propose de passer sur VLC pour vous faire écouter 15 secondes de chacun de ces audios, pour que vous puissiez vous rendre compte, en fait, de ce que c'est que de ce que sont ces extraits. Donc, je vais essayer de faire ça. Hop. Alors ça, c'est physionomie, donc le texte lu. Nous ne saurions pirement choisir que par nous, en un siècle si faible. Cette image des discours de Socrate que ses amis nous ont laissés, nous ne l'approuvons que pour la révérence de l'approbation publique. Et là, ça va être le cours magistral sur les comptines. Ça marche bien là, vous m'entendez? Ouais. Ok. Sur les comptines, du coup. je suis frappée aussi de voir la variété des projections qu'il peut y avoir sur les poupées russes. Enfin, chacun y met ses significations. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous parler des rythmes et vous dire combien l'enfant, je crois, tu vois combien de gens ont. Ça, c'est l'entretien sociologique, du coup, avec 2 personnes. Moyenne qui viennent à ces permanences. En moyenne, je sais que par exemple, le mercredi matin, on a. Alors, nous, il faut savoir qu'on prend le temps d'expliquer aux gens, on prend le temps de bien poser, de bien expliquer, s'assurer que la personne a compris ce qu'elle. Donc, ce sont des entretiens qui peuvent prendre du temps. On commence par le trésorier. Pardon, et là, c'est le fichier pas sympa. Le trésorier. Il n'était pas. Non, il Il n'était répond pas son temps, allé, il n'était pas son il temps. a secrétaire, je pense. Le secrétariat. Le secrétariat, alors. Les professeurs, quand même. Ah bon? Oui, On remonte. parce que les membres sortants, c'est au niveau de la constitution du bureau. Et après, Voilà, donc ça, c'est vraiment le fichier limite hein, pour vraiment mettre, enfin, tester les plateformes jusqu'à quel point est-ce qu'elles peuvent aller. Vous avez compris qu'il est vraiment très compliqué, même pour un locuteur, enfin, même pour un auditeur humain, certaines phrases sont difficiles à comprendre. Voilà, j'arrête le partage. Je reviens, vous revoyez à nouveau la présentation maintenant.
Alors, une fois qu'on avait choisi nos approches et nos différents corpus, il a fallu qu'on s'est rendu compte qu'il fallait pas mal enfin, travailler sur des fichiers qui soient harmonisés, en fait. Aussi bien les transcriptions, ce qu'on appelle les transcriptions de référence, qui sont en fait les transcriptions qui venaient avec les corpus, qui ont été fournies avec les corpus, que les fichiers bruts qu'on a obtenus par les plateformes. Donc, c'est pas très long, je vous en parle juste en deux mots. Toutes les transcriptions de référence ont été revues par un des membres du groupe en appliquant la même convention de transcription sur tous les fichiers, en fait. Typiquement, il y avait des fichiers où il y avait encore ces annotations par exemple, de catégories grammaticales ou des annotations sur les situations interactionnelles enfin, qu'on a supprimées. Donc, on a simplifié un peu ces transcriptions de référence. Et puis, à tous les fichiers, on a appliqué les mêmes normalisations un peu techniques, c'est-à-dire supprimer les noms de locuteurs, supprimer les balises temporelles, supprimer les espaces surnuméraires, uniformiser les apostrophes, plein de petits détails comme ça auxquels on a été confronté au moment du traitement et qui nous a posé problème et qui nous a demandé de normaliser. Donc au final, les fichiers sur lesquels on a travaillé, ils avaient tous le même format, un format texte en UTF-8 avec un Solimp Windows. Donc c'est vraiment pour vous montrer jusqu'à quel point il a fallu travailler sur des fichiers normalisés et harmonisés. Évidemment, ça c'était après avoir fait les estimations de est-ce que les locuteurs et les balises temporelles sont prises en compte ou pas, parce qu'effectivement, si on les supprime et qu'après on regarde ce que les plateformes font, ça ne va pas donner grand-chose. Vous avez un exemple simplement ici, une référence après harmonisation et puis une transcription ici de GoTranscribe après harmonisation sur le fichier physionomie. Donc on a gardé la ponctuation, la casse, donc les majuscules, minuscules, mais on a essayé de supprimer un certain nombre de choses qui pouvaient varier d'un fichier à l'autre. Voilà. Donc maintenant, enfin, les résultats. C'est ça qui vous intéresse tous, et nous aussi. Alors, l'évaluation des fonctionnalités, on tient vraiment à préciser que tout ça, c'est très, très évolutif. Là, on vous présente des choses qui sont valables en mars 2020. Si ça se trouve, il y a déjà des plateformes qui ont changé des choses, hein, donc ça évolue très, très vite. Il y a même une plateforme dont je ferai la démonstration tout à l'heure, qui n'était même pas apparue, en fait, quand on a fait donc le choix des plateformes a été fait non pas avec le groupe de 6 personnes, mais avec la trentaine de personnes qui étaient présentes au départ, qui ont toutes contribué à identifier un peu ces différentes plateformes et possibles qui seraient intéressantes d'évaluer. Et une des plateformes de démonstration qu'on va faire, elle est pas mentionnée, alors qu'elle existait déjà au moment où on a lancé le groupe. Donc ces outils-là, en fait, ils sont pas forcément visibles et l'offre évolue vraiment très vite. Donc voilà, évaluation des fonctionnalités en mars 2020. Alors, les tarifs. Première question. Donc, vous avez ici les 8 plateformes qu'on a évaluées. Là, les tarifs en euros par heure et éventuellement s'il y a une remise académique, enfin, pour des travaux universitaires ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que déjà, en général, là, on essaie de normaliser les résultats, mais ils ont tous des formules économiques et commerciales très différentes, en fait. Donc, à part YouTube, qui est complètement gratuit, Headliner qui l'est sous condition, c'est-à-dire que en gros on peut c'est fait à la base pour Headliner, c'est un outil qui à la base travaille plutôt sur des vidéos et on a 10 vidéos gratuites et ensuite il y a un filigrane qui s'inclut sur la vidéo, donc si on fait de l'audio c'est pas important en fait. Donc là c'est gratuit mais sous condition entre guillemets. Mais les autres, par exemple celui-ci, c'est pareil, c'est des tarifs qui normalement sont calculés sont dépendants en fait de la qualité de l'enregistrement qui est fourni. Et sinon, on a en fonction des tarifs progressifs, en fonction du volume qu'on veut retranscrire. Donc, on a en gros des outils qui sont de gratuit à 15 euros par heure, on va dire, de corpus. Avec donc des remises académiques possibles, donc ça va de aucune à 100%. Et souvent, c'est sur demande, faut un peu négocier. Donc, il y a ça aussi, c'est une caractéristique de ces outils-là, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont assez souples. Qui sont encore en fait, qui sont pas encore tout à fait stabilisés, où il peut y avoir des marges de négociation sur voilà, les prix, les tarifs, etc. Et donc, a priori, ça semblerait en fait intéressant d'un point de vue strictement financier, juste financier, mais ça demande finalement d'estimer, enfin, de voir si les transcriptions qu'on récupère sont vraiment valables ou pas, parce que si derrière il faut tout reprendre, effectivement, ça sert à rien même si le tarif est faible, ça sert à rien de faire appel à ces services. Et donc, cette estimation en fait du temps qui peut être gagné,
Il peut être fait de deux manières, soit en faisant un essai avec un échantillon sur les plateformes qui le proposent, ou alors voilà, en utilisant les plateformes gratuites comme YouTube ou Headliner. En termes de sécurité et confidentialité des données, alors ça, c'est le point, un point très délicat. Ici, vous avez le siège social de l'entreprise en haut et l'hébergement, le lieu d'hébergement des données, enfin le serveur, enfin le, comment dire, l'outil, l'infrastructure d'hébergement des données en bas. Et ça, ça va jouer en fait sur, pour savoir quel type de régulation et de loi s'applique. Donc ici, on a en gros deux types de sièges sociaux différents, des sièges sociaux en Europe, donc avec plutôt des législations européennes comme les règlements sur le règlement général sur la protection des données, donc le RGPD, et puis des sièges sociaux aux États-Unis ou au Canada, donc en Amérique du Nord. Et pareil pour les hébergements de données, en fait, on a en gros soit les grands géants du web, donc Amazon, Google, Microsoft, soit pas précisé du tout. Et on ne sait pas, en fait, on ne sait pas où sont hébergées les données. Donc, en termes de protocole, enfin, cet aspect sécurité et confidentialité, il a différents niveaux, différentes dimensions. En termes de, une première dimension, c'est simplement le cryptage des données, le transit des données entre notre ordinateur et leur serveur. Donc là, toutes les plateformes proposent des protocoles de cryptage qui sont robustes et qui sont explicites. Ensuite, il y a une deuxième dimension, c'est l'utilisation des données, qui est effectivement la dimension la plus délicate, parce que la plupart des conditions générales sont peu explicites. Elles sont quasiment toutes en anglais. Et elles sont très peu claires sur les trois, enfin sur certains points, elles le sont plus que d'autres, on va dire. Donc on a trois types de données qu'on fournit en fait à ces plateformes quand on travaille avec elles. La première, c'est des données nominatives. Quand on s'inscrit, on va donner notre identité, notre domiciliation, éventuellement un téléphone, des cartes, des coordonnées bancaires pour les prestations payantes. On va aussi fournir des données techniques, donc par exemple le type de navigateur, l'adresse IP. Les caractéristiques du système d'exploitation, tout ça, c'est les données que la plateforme va récupérer. Et puis, évidemment, il y a aussi les données qu'on leur fournit volontairement, donc tout ce qui est audio et la transcription obtenue, éventuellement notre transcription retravaillée, donc le texte qu'on va retravailler sur la plateforme. Tout ça, c'est aussi des données qu'on leur fournit. Donc, les données nominatives, on a un droit de disposer de ces données-là, donc ça, c'est assez bien encadré par les différentes législations. Les données techniques, elles sont déclarées comme utilisées uniquement à des fins administratives ou de services. Donc ça, c'est comme tout service web, en fait, faut mettre confiance, en gros. Et par contre, audio et transcription, c'est généralement précisé que c'est utilisé par les plateformes pour améliorer les API. Mais par exemple, c'est donc les algorithmes, en fait, et l'outil que les plateformes utilisent pour fournir ces transcriptions. Mais c'est très, très compliqué de savoir combien de temps, par exemple, elles restent sur la plateforme. Si on les supprime, est-ce qu'elles sont supprimées ou pas? Nous, on n'a pas réussi à trouver. C'est-à-dire que si il y a un juriste parmi vous qui serait très curieux d'éclaircir ce point ou de confirmer qu'en fait c'est très ambigu, venez, rejoignez-nous. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on a en gros ces plateformes-là, un certain nombre d'entre elles aussi font recours à des API externes, donc des outils extérieurs à leurs propres services. Et c'est pas forcément explicite. Et un exemple de ces outils qui est partagé par plusieurs plateformes, c'est sans surprise Google Speech to Text, donc un outil fourni par Google pour justement faire de la transcription de discours à l'écrit. Et on a pu voir, nous, avec nos résultats, en fait, qu'un certain nombre de ces outils-là font appel à cet outil, mais le disent pas. C'est-à-dire que on peut voir qu'ils font, par exemple, les mêmes erreurs. Un même mot va être remplacé par un même mot complètement absurde, exactement le même. Et donc, on est quasiment sûr que derrière, c'est le même moteur. Mais c'est pas mentionné, en fait, nulle part dans les CGU. Et alors, ensuite, il y a aussi autre chose, c'est que, par exemple, pour la RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, il s'impose aux pays membres de l'Europe. Et il s'applique aussi à toutes les entités qui offrent des biens ou des services en ligne à destination des résidents de l'Europe. Donc, typiquement, par exemple, Sonix, qui est basé aux USA, mais qui propose des services à des résidents européens, est aussi soumis normalement à ce règlement. Mais aux États-Unis, il y a aussi une loi sur des lois qui régissent évidemment l'utilisation des données. Et notamment, il y a une loi qui s'appelle le Cloud Act, qui en fait spécifie que les autorités américaines doivent pouvoir accéder à n'importe quelle donnée en fait numérique, dans le cadre notamment de mandats de justice. Ce qui fait que, en fait, toutes les sociétés conservent des copies dans le cas où ça serait demandé, en fait. Et donc, en théorie, il y a des copies qui sont conservées de toutes ces données-là dans le cadre de ce Cloud Act.
Et c'est valable aussi bien pour des sociétés qui ont des sièges sociaux aux US, donc comme par exemple Sonix ou Vidéo Indexeur qui est ici, ou Headliner, mais c'est aussi valable pour des sociétés américaines qui ont des données dans le reste du monde. Donc là, par exemple, c'est le cas, puisque nos données vont être peut-être conservées sur des serveurs qui sont en Europe, on ne sait pas. Et aussi pour des sociétés étrangères qui hébergent des données aux USA. Donc, à ce niveau-là, en fait, c'est très compliqué de savoir quelle est la loi qui s'applique et finalement, où sont nos données et qu'est-ce qu'elles deviennent, en fait. Donc, concrètement, si vous avez travaillé avec des données un peu sensibles ou confidentielles, qu'il ne faut pas utiliser ces outils, en fait. Enfin, c'est notre conseil aujourd'hui, en juin 2020. Alors, l'avant-dernier point sur les fonctionnalités, donc c'est tout ce qui concerne les segmentations. La segmentation, donc ce dont je vous parlais au départ, simplement avec des approches un peu binaires. Donc, segmentation, disfluence, donc toujours ces mêmes plateformes, là, les différentes variables. Donc, toutes les plateformes fournissent des balises temporelles. Toutes les plateformes font de la segmentation, font un saut de ligne à chaque fois qu'il y a un changement de locuteur. On va dire que la plateforme détecte un changement de locuteur, sauf une, Vocalmatic. Toutes les plateformes font de l'étiquetage de locuteurs, c'est-à-dire qu'on peut donner un nom on aura locuteur 1, locuteur 2, puis on peut donner un nom à ces locuteurs et la plateforme utilisera ces noms. Pardon. La moitié de ces plateformes fait ça. Un peu plus de la moitié fournit des ponctuations, mais certaines pas du tout, comme YouTube ou Vocalmatic. Certaines aussi permettent de fournir des dictionnaires personnalisés pour enrichir le lexique. Donc, typiquement, dans le cas du texte de Montaigne, on aurait pu fournir un dictionnaire avec des termes un peu moins usités aux plateformes. On l'a pas fait. Et puis, finalement, très peu de plateformes tiennent compte de ces questions de disfluence, donc les répétitions, les 1, les E. Et on a mis un petit moins ici parce qu'en fait, non seulement il y en a peu qui le font, mais en plus, elles repèrent pas les mêmes. Donc, certaines, par exemple, vont systématiquement repérer les E et les noter, mais elles vont passer complètement sous silence les bas ou les M. Et d'autres, ça va être l'inverse. Donc, du coup, pour les disfluences, c'est vraiment pas quelque chose qui est aujourd'hui... que ces outils tiennent compte. Et donc, finalement, on aurait un peu trois grands types de profils. On a Vocapia ici qui se démarque avec une attention fine à l'élocution, avec un petit coche un peu toutes les cases, on va dire. On aurait ensuite un groupe d'outils ici qui serait plutôt basé sur... qui produirait plutôt du texte à la volée. Donc plutôt à destination de sous-titres ou d'indexation. Et puis on aurait ici des outils qui sont en entre-deux, en fait, qui ont une attention fine à la segmentation, aux locuteurs, aux balises temporelles, mais pour autant qui ne vont pas forcément aller aussi loin dans les disfluences comme le Vocapia. Voilà. En gros. Et alors, le dernier point, donc ça, on ne détaille pas dans la présentation, mais vous pouvez volontiers vous référer au rapport qui sera normalement disponible en début d'été. C'est l'aspect des éditeurs. En fait, il y a tous les outils sans exception fournissent des éditeurs de retranscription qui permettent d'éviter la retranscription avec un certain nombre de caractéristiques qui sont partagées et basiques, qui sont communes à tous les outils. Donc, on a un alignement entre le texte et l'audio. Donc, par exemple, si ici, vous avez l'éditeur de Sonix. Si on clique n'importe où dans le texte, on va entendre l'audio correspondant, en fait. Vous pouvez choisir les balises temporelles, réaligner le texte et l'audio. Vous pouvez renommer les locuteurs, faire la lecture audio, changer la vitesse de lecture, éditer en ligne. Celui de Sonix, il a un peu évolué parce qu'il permet aussi d'avoir des probabilités de précision. C'est-à-dire qu'on peut colorer le texte avec des couleurs qui vont dire si le mot est probablement le bon ou pas. Et donc, au moment de la retranscription, aller spécifiquement sur les mots rouges, par exemple, pour vérifier uniquement les mots rouges, voilà, ça peut faire un peu gagner du temps. Donc, ces éditeurs, ils sont très complexes et très complets. Beaucoup sont assez complets. Et ils permettent un gain de temps, en fait, a priori assez important d'édition en ligne. Donc, si on résume la question des tarifs, des fonctionnalités, on aurait en fait des plateformes qui ont des profils spécifiques, avec des fonctionnalités qui sont plus ou moins nombreuses pour des usages différents. Si vous travaillez sur des données confidentielles, il faut absolument éviter le recours à ces services. Les tarifs, sont-ils avantageux ou pas? Tant qu'on n'a pas fait l'étude des résultats, on ne peut pas vraiment le dire. Et puis, on n'a pas fait une diapositive spéciale là-dessus, mais
Ils sont compatibles avec la plupart des formats multimédia en entrée et en sortie quasiment. Enfin, ils proposent tous des choix différents, donc soit sous-titres, soit traitement de texte, soit des fichiers structurés type XML. Et puis, ils proposent donc cet accompagnement complet avec éditeur en ligne, qui est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, hein, nous, dans le groupe. On n'avait pas imaginé qu'on aurait un outil en fait en sortie qui permette de traiter le fichier directement en ligne. On reviendra dans la conclusion aussi sur pourquoi les plateformes proposent ce genre de choses. Alors, maintenant, l'histoire de l'évaluation des résultats. Donc, premier type d'évaluation, la mesure de la proximité lexicale, donc l'approche classique avec le fameux Word Error Rate. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Word Error Rate avec le magnifique accent anglais? Donc, c'est une mesure qui se calcule à l'échelle du mot. C'est une mesure qui est simple à comprendre, donc là, je vais vous l'expliquer après, qui est la plus utilisée, en fait, dans les tests qu'on a pu voir. Elle possède des limites, mais en fait, on a un peu étudié les alternatives qui existent. Et finalement, ce que l'étude de la littérature montre, c'est que cette recherche d'alternative, elle est toujours en cours. Donc, il n'y a pas vraiment de web d'alternative qui a pris le pas de façon claire sur cette mesure-là. Et ce qui nous intéressait, nous, et que Hollowware permet de faire, donc on était du coup satisfait, c'est que ça permet de comparer plusieurs systèmes entre eux et puis dans le temps aussi. Et notamment, éventuellement, avec d'autres transcripteurs, d'autres transcriptions, enfin d'autres tests faits par d'autres personnes dans le passé ou en parallèle. Donc le WHERE, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un calcul du nombre. Pour ceux qui connaissent la distance de Levenstein, c'est un peu le même principe, mais à l'échelle du mot. Donc en gros, on calcule le nombre de substitutions, donc le nombre de mots qui ont été remplacés par un autre mot, le nombre de suppressions de mots supprimés, le nombre de mots insérés, et on divise tout ça par le nombre de mots de la référence, le nombre de mots initial. Donc vous avez un exemple ici, si on a une référence ici, une transcription de référence, dont la phrase dit « la vitamine C, c'est bon pour la santé », et la transcription automatique nous donne « la vitamine C, bon pour la santé », et ben on a ici une substitution, vitamine par vie, deux insertions, ta et mine, et puis une suppression, le C ici. Donc au final, on a 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 4, divisé par 8, qui est le nombre total de la référence. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça fait un WHERE de 0,5. Voilà comment on calcule le WHERE. Donc on a utilisé, en fait, pour l'implémenter R, il y avait, on a fait un script sous R pour calculer ce WHERE pour l'ensemble des corpus, l'ensemble des plateformes, en adaptant une fonction qui a été développée par un chercheur de l'Université de Cologne et qui est disponible sur GitHub. Et voici nos résultats. Alors, on a copié bêtement, parce qu'on trouvait ça très bien, la présentation de Tim Boons, donc je vous refais l'explication. Ici, vous avez les corpus, donc texte lu, physionomie, cours magistral, comptine, Camille, l'entretien sociologique, et Harmonie, la réunion associative difficile. Ici, vous avez un WHERE qui est en fait la retranscription humaine, qui serait en fait le WHERE obtenu par un retranscripteur humain. Donc, ça correspond en fait au fichier qu'on avait obtenu avant l'harmonisation, comparé à la version de référence. Ici, on a la médiane. Donc la médiane, c'est l'ensemble pour chaque corpus, c'est la médiane de l'ensemble des résultats à travers les plateformes. Donc ici, ApiScribe, par exemple, pour le corpus physionomie, le texte lu, il obtient un WHERE de 0,14. 0,14, c'est plus bas que 0,19, donc ça, c'est en vert. Vocalmatic, il obtient un WHERE deux fois plus grand, et plus c'est grand, moins bon c'est, donc c'est en rouge. Donc en gros, plus c'est vert, plus c'est proche de la référence, et moins, disons, il y a eu de changements dans le texte, et plus c'est rouge, et plus il y a eu de changements dans le texte. Donc qu'est-ce qu'on peut voir avec ces résultats? C'est que déjà, rien n'est aussi bon que la transcription humaine. Parce que vous voyez que, par exemple, pour Montaigne, 0,0058, en fait, ici, on a tout, je crois que le minimum, ouais, il est à 0,14. Donc, voilà, premier constat. Harmonie, terriblement mauvais, hein, une médiane à 0,88. Quand vous pensez à l'exemple avec la vitamine, là, qui était à 0,5, puis il y avait déjà un nombre de changements conséquents, vous imaginez qu'à 0,88, il ne reste pas grand-chose du texte original. Et donc, on a, en fait, avec ce tableau, on aurait un premier type de résultat qui se dessine. C'est qu'on aurait trois grands groupes, encore une fois, de plateformes. Donc, des plateformes ici qui font globalement moins bien que les autres. Donc, ça, c'est très important à comprendre. C'est que c'est pas parce qu'elles sont rouges qu'elles sont absolument mauvaises. C'est juste que comme c'est relatif, elles font moins bien que les autres. On peut imaginer que si on avait eu trois autres plateformes dans notre lot,
les classements auraient été différents. Et donc, ici, peut-être que ça aurait été en orange et que les autres auraient été en rouge. On ne sait pas, en fait. Donc, ça, c'est important à comprendre. Mais dans nos plateformes, c'est quand même celles qui en gros, sont les moins bonnes. Ensuite, ce qu'on a qui est intéressant, c'est qu'on a deux groupes là. Et donc, il semblerait qu'il y ait certaines plateformes qui soient plus performantes pour traiter des textes des discours qu'on pourrait considérer comme simples, c'est-à-dire des textes lus ou des textes planifiés comme le cours, et des plateformes qui seraient plus performantes pour traiter des textes plus spontanés avec la parole, du langage naturel et des dialogues, des interactions, spontanées. Donc ça, c'est un premier résultat. Et alors, ce qui nous a beaucoup amusé, c'est que tout a commencé avec Vocalmatic, puis en fait, bon, vous avez commencé à le voir avec l'étude des fonctionnalités. Ouais, Vocalmatic, c'est pas celui qu'on recommanderait à la fin de l'étude du tout, quoi. Donc là, vous allez voir qu'il est toujours un peu en dernier. Il a très peu de fonctionnalités, il coûte cher et puis il est un peu en dernier. Donc voilà, c'était un peu l'ironie, ça nous a fait un peu rire, ça. Mais voilà, on voulait savoir maintenant, finalement, sur quoi est-ce que ces plateformes, elles butaient, en fait. Quelles étaient les erreurs qu'elles rencontraient? Et est-ce que c'était, par exemple, des erreurs de... Parce que pour un transcripteur, enfin, pour reprendre ces textes-là, c'est pas pareil de corriger, par exemple, une erreur de flexion. Donc, imaginons un singulier qui devient un pluriel ou un participe passé qui est accordé au féminin qui devient masculin, ou de corriger des erreurs de lexique. C'est pas du tout la même chose. Donc, on voulait estimer, en fait, quel type d'erreur était produite et qu'est-ce qui posait le plus problème. Aussi des questions d'homonymie, d'homophonie, voilà. Et donc, c'est là que ce travail de Titan a démarré. Donc, là, il s'est passé en deux temps. Il y a eu d'abord un travail de détection des erreurs. Donc, on voulait faire ça, utiliser un outil qui soit simple, compréhensible par tout le monde, gratuit, etc. Donc, on a imaginé plusieurs pistes et on s'est finalement arrêté sur un outil de détection de plagiat qui est Copyscape. Donc, Copyscape, c'est un outil qu'on a détourné pour notre besoin, qui se présente comme un page web, en fait, sur laquelle on copie, colle nos deux textes qu'on veut comparer. Et il nous produit ça en sortie. Donc, on a une colonne ici avec le texte de référence, donc toujours de la physionomie. Et ici, le texte retranscrit. Donc, ici, on a une retranscription de Happy Scribe. Et on a en bleu quand les segments sont considérés comme du plagiat par Copyscape, donc des segments communs avec le nombre de mots qui sont en commun. Et puis, en gris, là où ça diffère. Donc là, purement a été retranscrit par purement. Et ça permet du coup pour nous de repérer tout de suite quels sont les endroits où il y a des erreurs et des différences entre le texte de référence et la transcription. Donc ces sorties-là de Copyscape ont été simplement copiées-collées dans un tableur et analysées. Donc elles ont été analysées avec un certain nombre de conventions et une procédure qui a été établie, donc qui sont les suivantes. Les conventions, c'est que des mots comme avec un tiret au milieu compteraient quand même deux mots. Des unités avec un tiret au milieu compteraient quand même deux mots. Par exemple, notion et sample, ça compterait un mot. Voilà, donc il y a un certain nombre de conventions. Et puis la procédure a été la suivante. Une première analyse sur physionomie qui a été faite par une première personne, donc sur le texte lu, qui a priori était le plus simple. Ensuite, la rédaction d'un guide d'annotation. Et puis, des discussions et validations par une deuxième personne de ce guide d'annotation. Ensuite, les deux personnes se sont réparties les trois fichiers restants et ont fait des validations croisées avec une mise à jour du guide. Et donc, au final, tout ça sera présenté dans le rapport. Voilà les cinq types d'erreurs qui ont été identifiées. Donc, vous avez ici, vous voyez bien un Copyscape, la sortie Copyscape, et là, les différentes catégories d'erreurs qui ont été repérées. Donc, les mots communs, ce n'est pas des erreurs, mais ça fait partie des choses qui ont été nécessaires à repérer. Mauvais lexique, donc ce qui est justement quand on a un signal, donc c'est par exemple des paronymies ou des homonymies. Donc la paronymie, homonymie, c'est par exemple si on a les sens, comme les sens, le nez, l'odorat et tout, ou les sens comme le pétrole, ça va être des homonymes. Et par contre, la paronymie, c'est des homonymies proches, donc par exemple agresser, adresser. Donc on a un signal qui est quand même là, mais qui est différent et qui n'est pas interprété par la machine. Donc, le mauvais lexique, c'est un signal qu'on peut repérer, mais qui a été mal interprété. Donc là, par exemple, purement, purement, prissas, prissas. On a ensuite des mots absents, donc simplement, ils sont manquants, des mots rajoutés. Donc ça, c'est quand le lexique ne correspond vraiment pas. Des erreurs de flexion, les fameuses erreurs de flexion. Et puis, autres, qui correspondent en fait à une catégorie qui finalement est minoritaire dans l'ensemble du calcul et qui en fait, correspond à des cas où ce n'était pas clair dans quelle catégorie ça devait être... quand les catégories ne marchaient pas, et c'est en partie lié à des contraintes liées à Copyscape, mais je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant.
Alors, des exemples d'erreurs qu'on voulait partager avec vous parce qu'elles nous ont fait rire. Donc, dans les expressions tombées en désuétude, notamment du corpus de Montaigne, vous avez ici, là, par exemple, « Où est sa plus juste et laborieuse besogne ?» qui est l'original, qui a été transformée en « Où est l'état sa plus juste et plus laborieuse spéciale ?» Donc, si vous m'écoutez, peut-être que vous trouverez des ressemblances, mais à l'écrit, c'est pas du tout la même chose. Et puis alors, des homophonies ou des proximités phonétiques assez drôles, des rythmes, donc qui devient des rites, sur le tutu, sur les comptines, qui devient sur le tutu, puis alors dénombré, elle perdait son temps, et le père dès son temps. Donc c'est vraiment, on voit vraiment à quel type de difficultés, en fait, ces outils ont été, dans quel piège ils sont tombés, en fait. Donc concrètement, une chose aussi, c'est que là, du coup, le Harmonie a vraiment posé problème aux plateformes, et vous pouvez voir, par exemple, un extrait ici de la référence, comment il a été retranscrit par Sonnet, c'est-à-dire quasiment rien, en fait. Et pour ce travail-là, ce fichier-là en particulier, ce travail un peu qualitatif, il est en cours encore, il n'est pas fini, donc on ne va pas vous le présenter aujourd'hui. Ce qui est en cours, en fait, c'est de labelliser certains segments comme incertains, donc ici, d'estimer leur durée en secondes pour avoir cette variable-là, en fait, de pouvoir dire, sur la transcription, il y a tant de durée qui est, en fait, complètement incertaine, et puis éventuellement appliquer les traitements précédents là-dessus. Mais si vous avez d'autres idées sur comment finalement pouvoir essayer de catégoriser les erreurs produites dans des cas comme ça, en fait, où nos 5 catégories précédentes ne sont pas forcément adéquates, on est preneur aussi. Donc voilà, c'est encore une petite bouteille à la mer. Donc du coup, là, il n'y a pas d'exemple sur Harmonie. Donc les résultats. Je vais les présenter en deux temps. D'abord les résultats sur les mots communs et ensuite les résultats sur les erreurs. Donc là, il y a un petit truc un peu sioux à comprendre. C'est que ici, vous avez un tableau avec le pourcentage de mots communs entre le fichier transcrit et la fichier de référence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, c'est 89% ici de GoTranscribe, c'est que dans le fichier fourni par GoTranscribe, 89% sont communs avec la référence. Mais GoTranscribe peut avoir manqué des mots. Et notamment, il peut avoir manqué, par exemple, 30% des mots, on va dire. Donc même si, on va dire, 9 mots sur 10 sont corrects, il en rate quand même 30. Et ça, c'est pas visible dans ce tableau, en fait. Donc, c'est ce que je vous montrerai après. Mais malgré tout, même si cette image des mots communs permet pas de tenir compte de ces mots manquants, on a, en fait, ici, encore une fois, les mêmes types de classements que ce qu'on avait précédemment. C'est-à-dire un trio de têtes, hein, qui, a priori, repère plutôt bien les mots, possède un grand nombre de mots communs avec la référence. Et puis, notre trio de queues, qui performe un peu moins bien, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? C'est que, donc, physionomie, le texte lu, il est caractérisé par une grande densité de vocabulaire et d'adjectifs. La majorité des erreurs, en fait, sont des erreurs de lexique. C'est pas une surprise puisqu'on a un vocabulaire un peu ancien, des temps ou des verbes inusités. Le meilleur taux de reconnaissance, c'est pour Contine, le cours magistral, avec une médiane à 90%, en fait. Donc, sur la plupart des retranscriptions, la plupart des mots sont corrects. C'était assez impressionnant quand on a eu les premiers résultats. On avait l'impression qu'on avait quasiment une transcription parfaite. Et puis, Camille, qui a peu de formes fléchies, beaucoup de formes très courtes, parce qu'il y a beaucoup d'onomatopées, et aussi beaucoup de noms propres, des références à des noms de personnes ou de lieux, dans lesquels les plateformes ont du mal à retranscrire. Et ce qui est particulier pour Camille, c'est que justement, on a jusqu'à 50% de mots manquants. Donc, par exemple, Sonix, ici, fournit 88% de la transcription de Sonix, elle est correcte avec la référence. Mais en fait, il y a la moitié des mots qui n'a pas été transcrite. Enfin, peut-être pas pour Sonix, mais dans certains cas, il y a la moitié des mots qui n'a pas été retranscrite. Donc, c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Donc, pour l'analyse détaillée de Camille, les erreurs en question, finalement, quel type d'erreurs on a et quels sont les pièges dans lesquels les plateformes tombent le plus. Donc, ça va dépendre, en fait, des plateformes. On a finalement trois groupes qui se distinguent. Alors, on a, en gros, un groupe toujours de queue, là, qui fait finalement beaucoup d'erreurs de tout type. Donc, toujours vocalmatique et headliner, donc beaucoup de mauvais lexiques, beaucoup de mots manquants, du lexique rajouté, des erreurs de flexion, etc. Mais ensuite, on a deux groupes qui vont, en fait, avoir des stratégies différentes, finalement, face à une difficulté. Une stratégie qu'on pourrait appeler d'abstention, qui est le premier groupe, où finalement, on va avoir beaucoup de mots manquants et peu de mauvais lexiques. Donc, le logiciel ne va pas essayer de chercher à deviner à tout prix, il va plutôt ne rien transcrire. Et puis, un autre groupe qui, lui, va faire l'inverse. Il va essayer, peu de mots manquants, il va essayer de transcrire, mais du coup, pas mal de mauvais lexiques. Donc ça, c'est intéressant aussi de comprendre qu'en fonction du résultat qu'on veut avoir, est-ce qu'on préfère corriger un texte où il n'y a pas beaucoup d'erreurs, mais beaucoup de mots manquants, ou un texte où les plateformes ont essayé de deviner, mais du coup,
c'est pas forcément, enfin, on tombe avec turlututu et pas sur le tutu ou l'inverse. Donc ça, voilà, ça dépend un peu du post-traitement qu'on souhaite faire par la suite. Je vérifie que j'ai rien oublié sur cette diapositive qui est assez complète. Voilà. Donc en gros, là, on aurait quand même, en termes de qualité, ces trois plateformes pour Camille qui se distingueraient, hein, Vocapia, Via et Microsoft et YouTube, qui finalement produisent le moins d'erreurs parmi toutes les plateformes. Donc finalement, la conclusion de cette deuxième analyse, c'est que tous ces outils, ce sont des outils d'aide à la transcription, avant tout. Il n'y a pas d'outil qui soit universellement performant dans tous les contextes. Il faut trouver le bon équilibre entre la détection de mots communs et la production d'erreurs. Il y a toujours une nécessité de réécouter le signal et de le corriger. Pas mal de phénomènes particuliers posent encore des difficultés. Et des stratégies semblent, donc les plateformes semblent adopter des stratégies différentes. On a aussi observé qu'on a pas mal d'erreurs transversales, donc vraiment des erreurs qu'on retrouve exactement les mêmes sur plusieurs plateformes et donc avec des moteurs identiques en arrière-plan. Et c'est intéressant en fait de savoir finalement avec quel corpus sont entraînées ces intelligences artificielles. Par exemple, YouTube est assez performant sur les conférences a priori, enfin, et on sait qu'il y a énormément de podcasts, de conférences, de cours qui sont mis sur YouTube. À l'inverse, Vocapia travaille énormément avec des universitaires, avec pas mal d'entretiens, donc on peut imaginer que ça joue beaucoup aussi sur la qualité au final de ce qu'on obtient. J'essaie d'aller un petit peu plus vite. Donc notre dernier type d'analyse, ça a été l'estimation du gain de temps. Donc encore une fois, on a suivi plusieurs pistes. Finalement, est-ce que ça faisait gagner du temps ou pas d'utiliser ces outils? Donc on a d'abord eu une approche qui a été faite par un membre du groupe, d'avoir une approche simplement qualitative, subjective de lecture. En lisant tous les transcrits, toutes les transcriptions, finalement, est-ce qu'on a l'impression qu'on a une bonne transcription ou pas? Donc, il y a eu une catégorisation des textes en quatre catégories. Bonne retranscription, donc peu d'erreurs de vocabulaire. Texte utilisable, avec seulement des homophonies ou des erreurs de flexion. Par exemple, cool ici qui devient un pluriel qui devient un singulier, donc c'est pas grand-chose à corriger, ça change pas le sens. Au contraire, un travail important de correction à prévoir avec plusieurs phrases qui sont ineptes et nécessitent une réécriture à l'écoute. Donc, par exemple, ce mystère de l'infini devient ce mystère de la fille. Ou alors une retranscription complètement inutilisable qui sont en fait des cadavres exquis. Hein. Donc, par exemple, ça. Lui parle passé avec déjà des bleus, mais raconterait, excuse-moi, je vais mettre. Voilà. On ne sait pas du tout on ne sait pas à quoi ça correspond. Et donc, quand on fait ça, en fait, ce qui ne nous arrangeait pas du tout, c'est qu'on se rend compte que c'est un peu différent de ce qu'on avait avant. Donc, on a l'impression que c'est même ordre, hein, des plateformes. Donc, on a ici des plateformes qui étaient assez rouges avant, deviennent oranges. On avait du vert là, qui n'est plus du tout vert, voire même qui devient complètement rouge. Donc, on a des divergences, finalement, assez importantes, où on s'est dit, on a finalement, même si on a une correction lexicale qui est juste, en termes de, il y aurait un saut qualitatif en termes de compréhension, on gagne pas en fait. Il y a certaines erreurs qui sont tellement rédhibitoires qu'un lecteur humain ne comprend plus en fait le sens du texte. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été noté dans une étude de 2000 ou 2003 dont la référence est dans le rapport, qui estimait en fait que sur certains textes il y avait 12% d'erreurs simplement en termes lexicales, mais ils estimaient la perte du sens à plus de 30%. Donc, il n'y a pas de relation linéaire, en fait. Il semblerait qu'il n'y ait pas de relation linéaire entre la qualité lexicale et la qualité sémantique de compréhension du texte, en fait. Donc, on avait conclu ça après ce premier résultat. Et puis, on s'est dit, on aimerait bien savoir quand même qu'est-ce que ça, concrètement, en gain de temps, mesurer, qu'est-ce que ça fait. Donc, c'est toujours le même membre du groupe qui a fait ça. Donc, ce membre a retranscrit manuellement la moitié des corpus pour chaque corpus, donc lui-même, hein, pour savoir combien de temps à lui ça lui prendrait. Ensuite, il a corrigé ces mêmes 2 minutes 30 pour toutes les transcriptions de toutes les plateformes en utilisant ses outils habituels, donc une combinaison de Word et d'un lecteur multimédia, en faisant 2 passages et 2 écoutes, donc d'abord des corrections lexicales et puis ensuite des corrections de mise en forme pour que le texte soit lisible à un œil humain. Et ensuite, calculer le gain de temps. Donc, faut bien avoir en tête que du coup, ça ne tient pas compte, ce gain de temps, du temps passé à se familiariser avec les outils, du temps passé à la plateforme pour nous donner les fichiers, ni du temps de conversion des fichiers en fichiers exploitables, qui était quelque chose qu'on avait fait avant de façon commune, et qui tient pas compte de ce temps. Là, c'est vraiment purement la retranscription une fois qu'on a les fichiers.
Résultat, au miracle, on retrouve les premiers résultats. Donc, on a en fait des classements relatifs qui sont similaires aux premiers résultats qu'on avait obtenus. Donc, comment on calcule ça? Le temps gagné, c'est le temps de correction sur le temps de transcription manuelle, fois 100. Donc, typiquement, là, par exemple, pour Camille, pour 2 minutes 30, ça mettait 18 minutes en temps manuel. Et là, on a un gain de temps de 49%. Ça veut dire que la personne a corrigé, elle a eu besoin que de 9 minutes. Donc, elle a gagné quasiment, elle a gagné 9 minutes, quoi. Donc, sur des extraits de 2 minutes 30, c'est rien du tout. Quand on a 50 heures ou 100 heures de transcription à faire, ça commence à jouer. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Déjà que ça dédie l'approche par lecture. Donc, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'impression subjective et aussi de compréhension, c'est-à-dire d'appréciation du texte, n'est visiblement pas lié à des histoires de gain de temps de correction ou des histoires de proximité lexicale, et c'est congruent avec les autres approches. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le temps gagné, il va en gros, au minimum, il est à 20%, donc ici, sauf cette exception de YouTube qui sert vraiment à rien, là, pour ce corpus-là. Il y avait autant de travail à corriger qu'à retranscrire manuellement. Mais globalement, on peut gagner minimum 20% de temps sur tous les corpus, jusqu'à, pour celui-ci, 73%, donc quasiment trois quarts du temps. En fait, on épargne trois quarts du temps en travaillant à partir de ce que Sonix fournit. Du coup, c'est assez conséquent, enfin, en termes purement de temps. Et on retrouve donc notre trio de tête avec des performances différenciées en fonction des types de fichiers, enfin toujours les mêmes résultats en fait, qui se confirment de ce qu'on avait depuis les premières analyses. Alors, vous êtes fatigués hein, maintenant. Maintenant, on va faire la synthèse de tout ça. Alors, pour la synthèse, donc j'ai simplement, on a discuté en fait de qu'est-ce qu'on présentait comme synthèse. On a finalement choisi de présenter les deux, la première et la troisième approche en termes purement quantitatifs. Donc simplement pour rappeler que finalement on a des résultats qui sont très congruents, que ce soit en termes de proximité lexicale ou de gain de temps. Mais ce qui est très intéressant ici, en fait, c'est qu'il n'y a pas de relation linéaire du tout entre les deux. Donc par exemple, ici là, on a Happy Scribe, c'est un WHERE de 0,14. Et on a un WHERE de 0,28 là pour Camille et Vocapia, donc c'est x2. Et en fait, quand on regarde le gain de temps, on a 46% ici et 62% là. C'est pas x2. Donc du coup, on peut pas déduire simplement en travaillant sur le WHERE qu'on va gagner deux fois plus de temps ou deux fois moins de temps ou trois fois plus de temps parce qu'on a un WHERE qui est deux fois plus grand ou etc. Et ça, c'est assez intéressant pour nous parce que la plupart des études qui se basent là-dessus pourraient faire croire ça. Et c'est pas le cas du tout, en fait. Donc, voilà, on a un saut qualitatif, en fait, entre les deux. Et donc, ça a justifié pour nous d'avoir mis en place, en fait, autant d'approches, à la fois sur la compréhension fine du lexique, enfin, des erreurs lexicales, des proximités lexicales et des gains de temps. La synthèse que tout le monde attend sous forme écrite. Notre démarche montre que, finalement, deux outils se démarquent, Vocapia et Sonix, chacun ayant ses domaines de prédilection, donc plutôt les textes planifié, lu ou les paroles spontanées. Ensuite, suivent d'assez près GoTranscribe et HappyScribe qui, d'après nos observations, semblent partager des technologies très similaires. Donc, en gros, elles ont la même API, semble-t-il d'ailleurs. Vidéo Indexer et YouTube sont à considérer plutôt pour leur coût modique et leur performance pour certains corpus. Donc, ça, c'est des choses que chaque utilisateur doit peser le pour et le contre en fonction de ses contraintes. En fait, nous, on ne rend pas un classement purement définitif, ça dépend des contraintes de chacun, et effectivement, quand on n'a pas de budget, eh ben, une solution gratuite va déjà faire gagner du temps, sauf si on veut transcrire Montaigne avec YouTube, mais sinon, on gagne quand même du temps. Toujours en considération de temps. Hein. Headliner semble un peu en retrait, mais se rattrape en proposant des fonctionnalités annexes, donc ça peut être intéressant aussi, hein. Peut-être qu'en termes de résultats, c'est moins bon, mais il y a d'autres fonctionnalités qui vont être très intéressantes. Et puis, bon, bah, Vocalmatic, c'est gentiment dit, présente des performances similaires à Headliner, mais sans les fonctions annexes et la rapidité d'utilisation. Donc, en gros, c'est mauvais et il n'y a rien pour rattraper. Voilà. Et donc, pour le choix, pour la démonstration, ça va être que je vais faire un peu rapidement, là, avant ou après les questions, si vous en avez, je ne sais pas comment on s'organise. C'est de présenter Sonix, puisque finalement, il est très bon sur le texte planifié. Il a un bon éditeur qu'on trouvait intéressant de vous montrer.
Et puis, alors, surprise, Yobi Yoba, qui en fait est un service basé sur Vocapia. Donc, Vocapia, concrètement, moi, j'y ai pas accès parce que c'est des accès qui sont négociés avec des équipes sur des contrats de recherche. Et par contre, ils ont justement un partenariat avec une filiale, quoi, qui s'appelle Yobi Yoba, qui est basée sur leur outil à eux et qui permet de transcrire des volumes d'enregistrement beaucoup plus faibles. Donc moi, j'ai souscrit un abonnement pour 10 heures, par exemple, ce qui n'est pas possible avec Vocapia, le minimum étant de 50 heures. Et donc, on va vous présenter ça. Ce qui est très intéressant aussi avec Vocapia, c'est que donc le siège social est en France. Et au moment de l'inscription, on peut choisir où est-ce qu'on veut que nos données soient hébergées et on peut spécifier en Europe. Donc ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Et ensuite, je crois que c'est... Ah oui, non, important. On voulait revenir sur ça parce que donc on a beaucoup parlé de gain de temps, de gain d'argent, etc. Mais en fait, il y a de très très bonnes raisons de ne pas vouloir du tout s'embarquer sur ce genre de plateforme, qui sont des raisons qui sont pas du tout économiques, que ce soit une économie de temps ou une économie d'argent, mais qui sont des raisons épistémologiques et politiques. Donc la première, je pense qu'il est connu par la plupart d'entre vous, hein, donc je ne vais pas insister beaucoup dessus, mais c'est l'idée que finalement, quand on retranscrit, on fait déjà un travail d'interprétation. Et donc c'est ce que j'ai illustré ici avec cette citation de Mondada 2000. La transcription n'est pas simplement une activité sélective, mais plus radicalement une entreprise interprétative. Les choix possibles dans la matière ne sont pas équivalents entre eux et impliquent, de façon souvent implicite, des positionnements spécifiques à rapporter aux fins pratiques et théoriques poursuivies par l'analyse qui les adopte. Donc on peut se dire que, étant donné qu'il y a beaucoup de temps de correction qui est nécessaire, on a encore un peu cette posture-là qui est faisable, mais on pourrait aussi dire que non. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être débattues et qui sont, à notre sens, valables pour justifier de ne pas faire appel à ces outils. Ensuite, évidemment, toutes ces plateformes, elles s'inscrivent sur les débats actuels sur l'automatisation et la perte d'emploi. Donc, j'ai cherché, en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ces ressources-là, moi, je n'en ai pas trouvé, mais j'imagine qu'elles existent, des travaux sur la sociologie, en fait, des transcripteurs humains. Qui sont ces personnes j'aurais tendance à dire des étudiants ou des femmes, mais j'aimerais bien que ça soit, enfin, pour être sûr de le dire. Et en fait, finalement, quand on fait appel à ces outils, on transforme aussi un certain nombre de choses. Donc voilà, ça s'inscrit dans ce débat-là et qui n'est pas neutre non plus, sachant qu'aussi une des justifications qui est donnée et qui est liée à la première justification épistémologique, c'est de dire que les étudiants se forment à travers l'analyse qualitative. Donc certes, c'est un job étudiant, mais en plus, ils se forment à l'analyse à travers ces transcriptions. Donc il y a ça. Il y a aussi effectivement, donc c'est pas le cas de nos plateformes parce qu'on a sélectionné uniquement les plateformes automatiques, mais un certain nombre de plateformes proposent couplent en fait algorithme et travail humain. Et on sait très bien, il y a pas mal d'études maintenant qui sont sorties sur les conditions en fait de ce qu'on appelle les tâcherons du web, hein, les personnes qui font des micro-tâches et qui sont payées à la micro-tâche. Il y a une recherche du Pew Research Center de 2016 qui estimait que la moitié des Américains qui travaillent sur Amazon Mechanical Turk, une des plateformes de micro-tâches les plus répandues, gagnent moins de $5 par heure, sachant que le salaire minimum aux États-Unis est de $7.25. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qui peuvent faire réfléchir, notamment, alors, les données de recherche, c'est peanuts sur l'ensemble des besoins dans le monde des personnes et des besoins qui font appel à ces services-là. Mais malgré tout, on peut se demander en tant que chercheur aussi, dans des institutions publiques, est-ce qu'on n'a pas une position aussi à adopter par rapport à ces questions-là. Et enfin, le dernier point, c'est le travail caché. Parce que vous êtes tous allés au supermarché et vous avez tous, à un moment ou à un autre, dû choisir est-ce que je vais sur la ligne où il y a plein de gens parce que c'est une caissière ou est-ce que je vais aux bornes automatiques. Et là, du coup, on me demande de faire... on me demande finalement de faire un travail. C'est-à-dire que moi, je vais faire le travail de la caissière. Et en échange, je gagnerai du temps. Bah là, c'est pareil, en fait, parce que les éditeurs en ligne, ils sont certes très pratiques pour nous, mais en même temps, ils servent à la plateforme à récupérer des transcriptions qui sont beaucoup plus propres et à améliorer ensuite leurs algorithmes avec ces transcriptions qui sont propres. Et donc, c'est aussi une forme de travail caché. Donc, on travaille aussi pour les plateformes en utilisant leurs outils pour les améliorer, en fait. Donc, il y a tout un tas de points comme ça qui sont, en fait, super importants auxquels on peut pas trancher, quoi, nous, en tant que groupe de travail là-dessus, mais qu'on pensait important de pouvoir mentionner. Et donc, pour finir, sur la question du rêve enfin accessible, est-ce que c'est un outil du futur ou quelque chose qu'on peut utiliser maintenant?
On dirait plutôt finalement que c'est, on a eu des grandes discussions là-dessus. C'est plutôt en devenir, hein. C'est variable, très variable. Vous avez vu en fonction des besoins et des corpus. C'est clair que quelqu'un qui veut un corpus à noter, ça lui sert, enfin ça sera un premier jet, mais ça lui donnera pas du tout ce qu'il cherche au final. Et puis il y a un temps indispensable de réécoute et de correction, ce qu'on peut considérer comme une bonne chose étant donné les points qu'on a mentionnés avant. C'est la fin là, non, je pense. Enfin, remerciement. Non, travail en cours. Alors, on va finir les traitements. Si, encore une fois, il y a un juriste parmi vous qui a très très envie de lire des conditions d'utilisation, bienvenue. Finir aussi le traitement sur Harmony. On a comme publication de prévu donc un rapport qui sera apparaître fin juin, début juillet sur HAL. Et puis, éventuellement, on voudrait soumettre un article dans le bulletin de méthodologie sociologique, quelque chose qui soit un peu plus digeste que les 60 pages qu'on a déjà écrites et qui ne sont pas finies. Et ensuite, en piste de recherche, vraiment, évidemment, ça serait très intéressant de faire ça avec d'autres corpus, d'autres usages, identifier d'autres usages, faire aussi ça surtout dans le temps, parce que finalement, ça va être périmé très vite, cette présentation, malheureusement. Et puis, éventuellement aussi, on s'est rendu compte que justement, tout le travail de caractérisation des erreurs, donc l'approche numéro 2, là, sur les résultats, c'est une approche assez inédite, hein, qui a été génératrice de pas mal de questions épistémologiques et méthodologiques. Hein. Encore ce matin, on en discutait en visio. Sur certaines choses en demandant est-ce qu'on prétend ça ou ça, donc jusqu'au bout en fait ça nous posait question. Et puis vous pourrez lire dans le rapport qu'on vous a présenté très peu en fait de ce qui a été fait, et donc éventuellement pourquoi pas aussi produire avec cette approche là un nouvel indice où voilà, il y a peut-être une potentialité de production d'un nouvel indice. C'est la fin là, non, maintenant? Ah, les remerciements, voilà. Donc on voulait simplement remercier en fait nos tutelles qui, même si on n'a pas fonctionné avec un budget dédié, nous ont accepté qu'on passe du temps, beaucoup de temps là-dessus. Walt Disney, hein, parce que Walt Disney a beaucoup contribué à ce PowerPoint. Et voilà. Et ensuite, si vous voulez, on peut passer à la démonstration. Voilà, de Sonix et Yobi Yoba, très rapidement, parce que je vois que j'ai dépassé mon temps d'un quart d'heure. Je ne sais pas si vous voulez. Alors, merci beaucoup Élise pour cette présentation, hein, avec, je crois que jamais on a eu une approche aussi globale à la fois sur les outils, les méthodes, les technologies, et puis aussi l'aspect juridique et la dimension humaine aussi dans le travail qui peut être derrière. Je vais d'abord demander peut-être aux personnes avec qui tu as travaillé, hein, qui sont aussi présentes, enfin Gaëlle, Sandrine, Laure ou Daniel, oui, Jean-Philippe, s'ils veulent intervenir ou compléter. Vu qu'on est très nombreux, je pense qu'on va peut-être préconiser quand même les interventions par le chat pour les participants. S'il n'y en a pas beaucoup, si c'est où l'intervention est un peu plus longue, on peut la faire à l'oral. On va essayer d'éviter d'avoir un micro qui se branche en même temps. Alors, je sais pas, du coup, au niveau des personnes qui ont participé au projet, est-ce qu'il y a des interventions ou des précisions? Oui, c'est Gaëlle, vous m'entendez? Oui, très bien. Eh bien, je l'ai ajouté dans le chat au moment où Élise le présentait. C'est une petite remarque, mais pour ceux qui sont très attentifs à la question du gain de temps, le calcul du gain de temps a été fait, comme Élise l'a dit, avec des outils classiques. Et c'est vrai que les éditeurs qui sont proposés sont quand même hyper performants, puisqu'il y a vraiment on retourne directement à l'audio en cliquant sur le morceau de texte qu'on veut corriger. Et donc là, il y a sans doute encore un gain de temps, à mon avis, supplémentaire quand on utilise l'éditeur, enfin certains éditeurs qui étaient vraiment bien foutus, on va dire. Mmh. Voilà, c'était juste la petite remarque. Je recoupe. Alors, moi, j'ai une question sur le gain de temps. Alors, j'enchaîne directement. Quelle est la vitesse de frappe de la personne qui a servi de test? Ah, bah ouais. Parce que la personne savait taper, par exemple. Quoi, par exemple, moi, j'ai appris à taper. J'ai oublié, je pense que ça a sauté. Normalement, c'était sur une des diapos que c'est. On considère que c'est une personne très expérimentée avec une vitesse de frappe rapide. Mais c'est vrai qu'on n'a pas. Je ne sais pas quel est le. Enfin, en termes numériques, je ne sais pas si la personne le sait et si elle veut le dire. Mais on n'a pas mesuré ça. En tout cas, pour le papier, ça vaudra le coup de le dire, parce que sur des petits logiciels dactylo quoi, qu'on trouve sur Internet, on sait. On peut savoir à combien de caractères on est par seconde, quoi. Ouais, ok.
Mais par exemple, quelqu'un qui s'est bien frappé, normalement, il est autour de 4-5 caractères secondes. Donc c'est. C'est quelqu'un qui fait. Oui. Alors, j'envisage pas encore de changer de métier, mais je le note pour plus tard. Mais comme vous tous, hein, je tape assez vite, mais je vais faire le test. Je vais faire le test de savoir à combien je tape, c'est promis. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les résultats n'étaient pas les mêmes en fonction des. Enfin, si je me souviens bien, alors tu avais quand même en fonction des fichiers, ça variait entre 14 et 20 minutes pour la même durée de 1 minute 30 initiale. Ouais. Ah, ça dépend aussi beaucoup du. Des arrêts, des retours. C'est-à-dire que l'oreille humaine a quand même le même problème aussi que l'intelligence artificielle, hein, que ce qu'elle a. C'est-à-dire, par exemple, la notion de entre rite et rythme. Je crois que j'ai dû faire passer 3 fois ce passage en me disant, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Là, on est tous confrontés à ça dans nos retranscriptions. On est aussi susceptible d'insérer des erreurs. Pardonne, parce qu'on est des êtres humains. C'est une remarque, c'est pour ça que je me demandais si 2 minutes 30, c'était pas un peu court pour faire des stats. Comme test, s'il n'aurait pas fallu transcrire 20 minutes ou au moins 10 minutes. Quoi. Ouais. Là, t'es très gourmand, parce que quand même, je voulais souligner et vous applaudir tous pour ce test, parce que franchement, c'est un travail colossal. Moi-même, pour avoir transcrit des documents sous Transcriber à l'époque où j'étais au IMC, enfin voilà, donc avoir fait ça tous ensemble avec les comparaisons qualitatives, quantitatives, sur des outils aussi variés, chapeau, quoi, votre travail est formidable. Donc Damien, 20 minutes. Vas-y. C'était une critique constructive, hein, c'était pas. Oui, tout à fait. C'était dans l'hypothèse d'une publication dans une revue internationale du type le BMS. Tu sais, Damien, nous, on est comme le capitalisme, on intègre la critique. Donc, ça consiste à dire, tu sais, on est un groupe participatif, on serait ravis d'avoir un autre essai. Plus long. Il faut me le présenter de manière encore plus capitaliste, c'est il serait intéressant de savoir si tu tapes encore plus vite que l'or et je tombe dans le panneau à tous les coups. Il y a une question qui a été posée dans le chat, je ne sais pas si tu la vois, Élise, c'est une question sur la comparaison et la reconnaissance des mots. Est-ce qu'il y a eu une recherche sur ce qui est co-occurrence ou est-ce que ça s'est arrêté juste au niveau du mot? Alors, des comparaisons sur la reconnaissance de mots, vous faites des analyses à partir des mots. Avez-vous regardé ce que ça donne au niveau des co-occurrences? Alors, j'imagine, alors peut-être préciser, la co-occurrence, est-ce que c'est deux mots qui se suivent, hein, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, c'est quand tu fais, quand tu es dans un lexique, tu as des mots qui sont majoritairement ensemble, ouais. Ça donne la co-occurrence. Est-ce qu'il y a eu ce genre de travail sur votre corpus? Non, parce qu'on a. En tout cas, pour le WHERE, non. Et pour ce que peut-être les membres du groupe qui ont fait la partie qualitative quantitativiste, peut-être pourraient répondre autre chose là-dessus. Mais pour le WHERE, non, c'était pas. Bah, en plus, ça donne un niveau d'analyse et de correction qui est supplémentaire et qui est. Enfin, ouais. Voilà, c'est une piste de travail à mener, j'imagine, mais dans le temps qui vous était imparti, avec la gratuité de votre travail en plus, encore une fois, et votre bonne volonté. Voilà, c'est une piste très intéressante, je pense, à mon sens, d'aller vers les co-occurrences, mais ça demande un vrai travail supplémentaire et une utilisation d'outils supplémentaires. Oui, alors justement, Sandrine répond qu'elle avait répondu que non, malheureusement, on n'a pas fait ce travail, mais c'est une piste intéressante. Ben voilà, oui. Une piste intéressante et on l'a pas fait. Hein. Alors, je sais pas, pareil, si on en profite, hein, comme ça, on donne les questions peut-être et les réponses qui ont été données dans le chat pendant que tu parlais. Ouais. Ton appel à juriste n'a pas été entendu pour l'instant. Il n'y a pas de nom qui est sorti du chapeau. En revanche, l'appel à sociologue pour l'étude des travailleurs du CLIC, ça a été entendu. Et ça, il y a eu des réponses. Ouais, hein, ouais. Comme Antonio Casi, par exemple. Mais après, je pense que sur l'aspect juridique, on peut se rapprocher d'Émilie Masson, hein, qui est juriste auprès de la DPO du CNRS. Parce qu'effectivement, si on déclare tout dans le traitement de données. On a une volontaire. Hein. Ah oui. Ouais. Mais c'est vrai que la question est vite compliquée pour peu que, en plus, dans la dans l'entretien, on récupère des données sur d'autres personnes qu'on peut identifier. Là, je pense qu'il y a,
il y a un traitement, enfin une déclaration qui est un peu compliquée à mettre en œuvre. Mais effectivement, la question se pose et les réponses sont pas forcément évidentes, je pense. Oui. Il y a une question pour vous. Pourrait-on avoir accès à une plateforme via Maté, SHS ou Humanium? Alors. Laquelle? La réponse va être assez rapide, c'est-à-dire que s'il faut payer, Maté SHS n'a pas de sous. On n'a même pas de structure. Humanium, s'il y a un besoin qui se fait ressentir, si c'est demandé par plusieurs personnes, ils peuvent, j'imagine, aller dans le sens, enfin, accepter de payer l'utilisation d'une plateforme, mais il faut qu'ils aient plusieurs demandes. Moi, je l'avais déjà fait pour un autre outil, et malheureusement, j'étais la seule. Donc, mais s'ils ont plusieurs demandes, oui. Donc après, on peut, surtout avec le travail que vous avez fait, j'imagine que ça peut remuer des choses et faire monter des demandes, et peut-être qu'Humanium pourrait financer l'utilisation d'une plateforme. Si c'est lié à un projet, à un nombre de personnes demandantes. C'est cette situation où la plateforme n'était pas hébergée par Humanium. Parce qu'en fait, là, c'est pas hébergé par Humanium. Ils payent un droit d'utilisation. Okay. C'est ce qu'ils font, tu vois, pour des logiciels comme Oxygen, où en fait, ils payent les droits pour toi, et toi, en tant que membre d'un laboratoire, tu l'utilises. Donc en fait, je pense que c'était le sens de la question qui était posée, c'est est-ce que Humanium ou Maté pourraient payer les droits d'accès à ces plateformes pour que nous, en tant que membres CNRS ou chercheurs ou universitaires, on puisse l'utiliser. Et je pense que c'est faisable si la demande est multiple et documentée et justifiée. Mais okay. Ça va pas se faire du jour au lendemain en fait. Il faut qu'il y ait une réelle demande de groupe. Sur le chat, il y a plusieurs personnes qui sont pour faire ça. Oui, il y a déjà plein de monde là, c'est bon, on a 79 demandes. Faut qu'on le fasse tous à Humanium aussi, hein, pour avoir du poids. Faut qu'on se mette tous, alors on demande tous vos calmatiques, on est d'accord. Il nous reste une grosse demi-heure. Je propose à Élise qu'elle nous fasse la démonstration sur les deux plateformes. Ouais, je vais le faire très rapidement. En fait, c'est pour vous montrer que c'est assez simple à prendre en main. Puis pour que vous ayez un peu une idée, voilà, je vais peut-être faire une plus en détail que l'autre, je ne sais pas. Du coup, je vais partager mon écran. Il y a encore une question. Avez-vous croisé vos résultats avec les transcriptions en dictée audio? Intuitivement, en tant que pratiquant assidu de la transcription, j'y trouve les mêmes erreurs et le même gain de temps. C'est-à-dire, en fait, on a essayé, moi j'ai pas fait ces tests-là, donc je parle sous le contrôle des autres, mais en fait, on a testé de faire, avec ces outils de dictée audio, simplement de donner à l'outil les audios qu'on avait déjà. Donc, c'est pas nous qui réécoutions et reformulions pour que l'outil transcrive. C'était vraiment, on a essayé dans cette idée de flux direct, de donner directement les audios, et en fait, ce qu'on constatait, c'est que les premières secondes, l'outil suivait, et au bout de 10 secondes, il patinait dans la semoule, en fait. Et donc, il aurait fallu lui donner des audios qui sont ralentis ou des choses comme ça, et on n'a pas voulu rentrer dans ce genre de choses. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas fait, par exemple, on n'a pas fait un calcul du gain de temps entre... on a vraiment comparé que transcription manuelle versus correction. On n'a pas comparé avec les outils intermédiaires qui pourraient être Sonal ou effectivement Dragon, qui sont de la transcription manuelle assistée, en fait. Je ne sais pas si Laure aurait envie de rajouter ça. Mais c'était la bonne réponse. En fait, on sent bien que c'est cette technique, ils s'attendent à ce qu'on s'arrête en fin de phrase. Et quand on balance un audio, l'audio ne s'arrête pas. Et en ça, oui, quand tu as utilisé patine dans la semoule, on sent bien qu'il perd pied. Mmh. Et donc, ça donne quelque chose après de complètement fragmenté. Alors, il y a une nouvelle question sur OTOT. En fait, est-ce qu'on a testé et écarté OTOT, outil pour retranscrire des sous-titres? Alors, en fait, les seules plateformes qu'on a écartées, c'est celles qui correspondaient pas aux critères qu'on avait mis au départ. Il y en a qu'une qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas pu faire par gain de temps, qui était Trint, parce qu'elle correspondait à nos critères, mais simplement, on l'avait pas identifié. Enfin, on n'avait pas le temps de le faire. Mais par contre, OTOT, en fait, ils ont des tarifs a priori qui sont vraiment, qui sont très chers.
Et du coup, on ne pouvait pas vivre une histoire de coup. Et aussi, on en a pris connaissance en cours de travail. Donc, ça ne faisait pas partie, en fait, des outils qui avaient été identifiés au départ par le pool de gens qui étaient intéressés. Et ça, c'est un peu dommage, en fait, que, on a découvert, comme je le disais au tout début, hein, certaines plateformes en cours de route, en fait. Ça, voilà, ça tient. Voilà, il y avait quand même une centaine de personnes, mais voilà, il y avait des outils qui n'étaient pas représentés, pas visibles. Comme je sens que vous avez encore du temps libre, j'ai un accès à Trint, hein, si vous voulez. Il y a quand même une question depuis tout à l'heure, hein, qui tourne sur le multilangue de tout ça. Enfin, en tout cas, sur toutes ces plateformes, vous les avez testées pour le français. Et il y a des gens qui demandent, hein, si finalement Vocapia, ça existe pour d'autres langues ou si ces plateformes tiennent compte de l'anglais, de l'allemand. Enfin, en général, il y a le trinôme, hein, anglais, français, allemand. Bah effectivement, j'ai pas mentionné, énormément de plateformes prennent en compte énormément de langues en fait, et le français est une d'entre elles. Si vous me donnez 2 secondes, ou peut-être Daniel peut plus répondre à ça. J'ai vu qu'il était. Ouais. Oui, alors je vais Ouais. essayer parce qu'en fait j'ai de très, très très gros problèmes de réseau. C'est un peu l'ironie du sort. En fait, je suis venu au bureau pour essayer d'avoir une meilleure qualité de connexion et c'est absolument la catastrophe. Donc j'ai pu suivre qu'à moitié la présentation. D'ailleurs, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui, parfaitement. En fait, voilà, parce que là je suis sur une connexion 3G. Je voulais essayer de répondre peut-être à la question précédente concernant Auto. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas examiné, nous, dans le cadre de notre étude. Par contre, moi, bon, bah, j'avais vu qu'effectivement, il y avait un partenariat dans le cadre des accords logiciels avec le ministère. Et bah, ça m'a interpellé un petit peu. Donc, j'ai regardé quand même rapidement, j'ai fait un petit test de comparaison avec les autres outils. Et globalement, on peut dire qu'il se situe un peu au milieu de tous ces outils. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus performant que les autres, il n'est pas moins performant que les autres. Voilà, c'est pas, il fait pas de miracle. J'ai un tableau de comparaison qu'on mettra également en ligne, hein, et comme ça, vous pourrez vous faire une idée par vous-même. Ensuite, l'autre question, c'était. Les langues. Alors, les langues, oui. Alors, en général, la plupart des langues occidentales, donc comme tu disais, il y a beaucoup de langues qui sont prises en compte. Donc, la plupart des langues occidentales sont supportées. Donc, là, il n'y a pas de souci. Et. Donc l'allemand, hein, donc voilà, et même donc les langues asiatiques, l'arabe, même des langues des fois un peu rares, donc pour certains outils, ça peut passer. En revanche, ce qui est souligné dans le chat, et a priori, je ne sais pas Daniel si tu vas confirmer ou pas, mais le plus compliqué serait le mélange de plusieurs langues dans un même discours ou dans un même texte. Alors, Est-ce on n'a que... pas essayé, oui, pardon. Non, non, vas-y, je t'en prie. On n'a pas essayé ça, mais moi personnellement, j'ai fait un test sur l'entretien où il y avait une personne qui avait un très très fort accent étranger. Alors, ce n'est pas une langue étrangère, mais quand même avait un très très fort accent et les résultats étaient quand même assez corrects. Oui, mais la différence Donc, entre une langue qui a quelqu'un qui a un fort accent, tu restes sur les mêmes dictionnaires et le même lexique, alors oui, que si tu le as des même personnes lexique, qui ont des oui. langues différentes, certainement qu'il faut, c'est ce que soulignait quelqu'un en réponse dans le chat, c'est que finalement, normalement, en entrée d'outil, on donne la langue utilisée. Et donc, si on utilise plusieurs langues, certainement que du coup, ça ne fonctionne pas parce que l'outil n'utilise qu'un dictionnaire. Oui, il y a des très fortes chances. Ouais. Parce que Voilà, on bon, va voir j'ai l'avancement. essayé également de faire passer du français pour l'anglais, ça ne marchait pas, et inversement. Donc, effectivement, la commutation entre deux langues a essayé, mais bon, Avec peu garantit d'espoir. rien. Oui, peu d'espoir même. Très. Merci. Mais je vois quelqu'un qui dit aussi qu'il a des données où justement il y a des locuteurs non natifs. Putain, chocolat, chocolat. Il y a des bêtises aussi dans Il n'y a que le chat. ça souvent, oui. Un entretien qu'on avait fait, moi j'avais fait au départ justement un entretien, donc bah, voilà, je suis française francophone, et j'avais fait un entretien avec un collègue australien en anglais pour justement tester ça. Et puis comme on a écarté en fait l'anglais à un moment donné, on a laissé ça de côté. Mais effectivement, on voulait tester, mais comme disait Daniel, a priori, ça pose, enfin, c'est pas, c'est pris en compte quoi par les plateformes. C'est comme vous dites tous, hein, c'est les mêmes lexiques, les mêmes dictionnaires utilisés. La démo, la démo, Ouais, est-ce la que vous voulez démo. faire rapidement? Du coup, je vais faire assez court, hein, mais
Peut-être en contrastant les deux, c'est peut-être ça qui est plus intéressant. Alors, je partage mon écran. Je vois qu'il y a des gens qui continuent à réagir, mais... Là, ça réagit vivement, oui. Ouais, je vais couper le... Enfin, cacher le chat, comme ça, je ne suis pas tentée. Donc là, vous voyez, normalement, vous voyez vous, non? Non? Alors, je n'ai pas dû choisir la bonne fenêtre. Ah si, on est sur la démonstration Sonic Yobi Yoba. C'est ta page d'accueil. Ouais, okay. Ça y est, ça charge. Donc là, je vais passer sur Sonix. Donc peut-être, je vais me déconnecter, comme ça, vous voyez vraiment tout le détail. Donc j'ai Sonix d'un côté, je ne vois plus du tout. Donc si vous voulez me faire signe, il faut parler, parce que là, je ne vois que ma fenêtre à moi. Du coup, il y a Sonix d'un côté et Yobi Yoba de l'autre. Donc, vous voyez, donc on est sur la page d'accueil de Sonix. Alors, il y a des effets très sympathiques comme ça, là. Simplement, on se connecte, donc on a des informations un peu sur, générales sur, et publicitaires sur l'outil. Ensuite, on se connecte et là, on a le choix. Donc, c'est quelque chose qui est courant avec la plupart de ces outils, c'est qu'on peut utiliser des identités qu'on a déjà en ligne, donc par exemple Google, ce qui n'est pas mon cas ici. Donc, j'ai simplement créé un compte avec une adresse email et un mot de passe. Et ensuite, je me connecte. Donc, sinon, on crée un compte. Ça, je ne vous fais pas la démonstration en ligne, mais voilà, vous pourrez le faire. Il faut juste donner son nom, son prénom, une adresse mail et c'est tout. Une fois qu'on est connecté là-dessus, en fait, on est directement sur notre tableau de bord. Donc, vous voyez ici que j'ai déjà uploadé un fichier, donc le fichier contin. Donc, ici, on a les fichiers qui ont été chargés. Au moment où on les charge, en fait, on va faire un essai là, mais on choisit déjà les paramètres du fichier et automatiquement la transcription se lance. Ce qui n'est pas le cas avec Yobi Yoba qui sépare les deux. Par exemple, Yobi Yoba, d'abord on met le fichier en ligne et ensuite on choisit de transcrire. Donc Sonic, ce n'est pas le cas. Donc là, on va faire un exemple simplement. Donc on clique là-dessus, upload. Vous voyez qu'on peut avoir, donc j'ai un décompte, hein, 25 minutes gratuites qui me reste puisque j'en ai déjà mis 5 en ligne et puis il y en a 30 en tout. On peut choisir d'avoir différentes sources. Donc, vous voyez, Dropbox, Google Drive, YouTube. Ça, c'est une... J'ai l'impression, Daniel, tu me corrigeras, que c'est quelque chose que sur lequel Sonic est particulièrement fort, l'intégration avec différents services. J'espère que Daniel nous entend, m'entend. Parce que si ça se trouve, j'ai une bêtise et puis il peut pas me corriger. Voilà, donc moi, je choisis simplement... donc, moi, j'ai en général, j'aime pas les services. Enfin, je fuis Google et tout ça. Donc, je choisis bêtement de sélectionner depuis mon ordinateur. Donc, je vais mettre physionomie cette fois. Donc, mon extrait de 5 minutes. Hop. Et donc là, vous voyez qu'on peut déjà choisir deux choses. De renommer le fichier, si on veut. Donc, je ne vais pas le faire. Et puis là, justement, par rapport aux questions qui sont posées, on doit choisir la langue, en fait. Donc, vous voyez qu'on a plein de choix. Hein. Anglais, français, allemand, espagnol, arabe, arménien, bulgare, catalan, enfin, et j'en passe, chinois. Vous voyez la liste très, très longue. C'est prometteur. On n'a pas testé tout ça. S'il y a parmi vous des gens qui parlent, non, je plaisante. Donc, français, et ensuite simplement commencer à transcrire. Et donc là, en fait, on retourne sur le tableau de bord, et puis on va voir que le processus, on a des indications sur le déroulement du processus. Ce que fait Sonix, c'est que quand la transcription est prête, en fait, il envoie un mail pour dire c'est prêt. Donc là, on attend, dans mon souvenir, c'est quelques minutes pour obtenir, pour 5 minutes, on a quelques minutes d'attente. On avait essayé d'estimer ça aussi pour voir, en gros, si on a un fichier de 50 heures, enfin, ou, voilà, ou une heure, combien de temps on attend. C'est pas un ratio de 1 pour 1, c'est moins. Donc là, il est en train de transcrire, donc je vais plutôt aller directement à l'autre qui est déjà transcrit. Donc on peut cliquer dessus. Hop. On peut aussi l'écouter, là, vous voyez. Alors là, évidemment, comme je suis, comme c'est la version gratuite, il veut me demander plein d'informations. Donc, je ne sais pas si je peux éviter ça. Non. Donc, je vais mettre quelque chose au hasard. Hop. C'est pas si faux finalement. C'est même plutôt vrai. Hop. Et là, on arrive sur l'éditeur. Le fameux éditeur de Sonix, donc que vous avez déjà vu dans la présentation. Donc vous voyez, alors je pense pas que ça va marcher si je lance l'audio. Je pense pas que vous allez l'entendre. De voir. Vous entendez ou pas?
La variété. Parfaitement. Oui, on te fait des signes, tu nous as dit que ça ne servait à rien. Donc, vous voyez, en fait, si par exemple, je vais là, ça, et je fais 8 lectures, je vais avoir la lecture à partir de 1. De fin. Les nombres n'ont pas de fin. Donc, c'est assez performant. Hein. Si on va ailleurs, là, vertige métaphysique. Alors, au milieu d'un mot, je ne sais pas. Vertige métaphysique que compter permet d'appréhender à travers la notion de temps. Donc là, c'est compter le verbe, hein, normalement. Compter, quand on compte. Voilà, compter. Du coup, ici, vous voyez qu'on peut choisir de renommer les locuteurs. Donc, on a soit on l'ajoute ici, soit on a ici, en fait, simplement, on indique qu'on a plusieurs locuteurs. On choisit ici les différents locuteurs. Donc là, je vais mettre, je ne sais pas comment s'appelle cette dame. Hop. Et elle est toute seule dans cet extrait. Donc a priori, il n'y en a qu'un. Mais là, en fait, Sonix a considéré qu'il y avait plusieurs locuteurs. Il a considéré qu'il y avait eu des changements. Donc là, simplement, hop, on va faire retour arrière et hop, on supprime le changement de locuteur. Toc. Et voilà. C'est assez simple. Hein. Et puis, hop, si là, maintenant, on retourne là et qu'on fait lire. Simplement, ils ne vont pas s'en servir. Ça ne pose aucun problème. Donc, vous voyez ce genre d'outils. Alors, j'imagine que vous voyez. Je vais un petit tour. Oui, ça a l'air d'aller. On a ensuite ici, là, cette histoire de... Alors, non, ce n'est pas highlight. Où est-ce que c'est? C'est quality. Voilà. Ici, vous voyez qu'on a, en fait, que Sonix, en gros, nous dit, bon, à 90%, ma transcription est plutôt bonne, quoi. Et ici, il donne des niveaux, en fait, de confiance sur la transcription obtenue. Donc, si on va un peu plus bas, donc là, tout ce qui est noir, il considère que c'est bon. Dans cet exemple-là, on ne dirait pas qu'il nous donne un... On a l'impression que... Ouais, j'ai l'impression que c'est... En fait, ici, il n'y a pas... Ah si, il faut cliquer là, peut-être. Non, ça, j'ai l'impression que ça a changé depuis la dernière fois où je m'en suis servi. Enfin, normalement, on peut colorier, en fait, le texte en fonction de cette qualité. Après, donc, on a accès à différents, voilà, outils de rechercher, remplacer, ce genre de choses. Les balises, on peut justement les changer certaines... certains paramètres, donc changer le début de la première balise temporelle, par exemple, et changer la fréquence. On peut rajouter des notes, donc là, c'est pas le cas. Donc voilà, et ensuite, ce qui est intéressant, c'est pour l'export, voilà. Tout ce qu'on a comme type de format. Donc on peut exporter en Word, en TXT, en PDF, pour des éditeurs audio, pour des éditeurs vidéo, ou alors encore, on peut télécharger l'audio initial, en fait. On peut aussi partager cette transcription, on peut aussi la mettre en forme directement en HTML pour qu'elle puisse être intégrée dans un site web. Donc, il y a énormément, en fait, Sonix a énormément de ponts qu'il établit entre des ressources en amont et des ressources en aval. Voilà, si je retourne, du coup, ah oui, il y a aussi ça, pardon, c'est deux boutons. On a un certain nombre de choses qu'on peut personnaliser, en fait. Donc, par exemple, mettre en pause automatiquement au moment où on tape. Donc, si on fait dérouler l'audio et au moment où on veut corriger quelque chose, l'audio s'arrête pour qu'on puisse corriger tranquillement. Voilà, click to skip. Donc, par exemple, quand on clique sur un mot, l'audio va être, enfin, ce qu'on a fait maintenant, en fait, je clique sur un mot, j'entends l'audio correspondant. Donc vous voyez qu'il y a pas mal, en fait, d'outils de préférences qui permettent d'avoir un travail d'édition. En fait, Sonix mérite le coup d'entrée dans l'éditeur, en fait, parce qu'il est vraiment, il possède pas mal d'options qui sont pertinentes et qui du coup permettent de rendre le travail beaucoup plus confortable. Et notamment, il y a un certain nombre de raccourcis aussi, donc pour ceux qui ont l'habitude de faire la transcription manuelle assistée avec des outils comme Sonal, par exemple, où il y a un certain nombre de raccourcis qui sont très utiles, là, c'est pareil. On peut avoir et définir un certain nombre... Enfin, on peut avoir un certain nombre de raccourcis qu'on peut apprendre. Je pense pas qu'on puisse les changer, en fait. Mais du coup, qui permettent d'avoir une aide à l'édition qui est agréable, quoi, qui est confortable. Voilà, donc ça, on était plusieurs à avoir travaillé sur cet outil, puis on était assez bluffés, hein, de découvrir cet éditeur. On peut avoir des dictionnaires auxquels on rajoute des termes.
Bon, copier le texte, après c'est des trucs un peu standards, hein, surligner, enfin, faire des modifications de forme. Voilà pour Sonix. Donc on peut éventuellement faire la pub à un ami aussi. Élise, que... excuse-moi. Oui. Alors, je viens de récupérer la connexion, donc je ne sais pas, je n'ai pas vu toute la démonstration. Ouais. Je me demandais si tu avais montré le passage à la ligne pour faire voir que les balises temporelles sont mises à jour automatiquement. Donc, au milieu d'une ligne, par exemple, tu te places au milieu d'une ligne. Là, ouais. Là après quelque chose, tu appuies sur Entrée. Ouais. Ah ouais. Bien vu. Et on voit que les balises temporelles sont mises à jour automatiquement. Et ça, c'est hyper important qu'on travaille sur ces timecodes. Et il n'y a pas d'équivalent en termes de logiciel autonome qui puisse faire ça. Et donc, ça c'est une vraie plus-value de ce type d'éditeur, en fait. Il y a autre chose, alors je ne sais pas si tu as montré, parce que voilà, je n'ai pas pu assister. Il y a aussi, alors je ne vois pas bien, dans Quality, tu vois, dans Quality, le menu Quality, ouais. On peut montrer un fichier un petit peu, on peut avoir des couleurs différentes selon la pertinence de la transcription. Donc, voilà, selon que ça soit plus ou moins proche, ou c'est plus ou moins efficace. Oui, alors justement, j'ai voulu le montrer, mais je ne retrouvais pas l'équivalent sur le texte. Alors, c'est que la transcription est tellement bonne qu'il n'y a pas de mauvais, l'impression de mauvais résultats, peut-être. Ouais. Oui, parce que là, on est sur Contine, qui est celui avec lequel, enfin, qui avait les meilleurs résultats, en fait. Mais... Ouais, moi, dans mon souvenir, enfin, la dernière fois que je m'en étais servi, en fait, le texte était déjà directement coloré comme ça. Il y a apparemment une icône thermomètre sur laquelle tu peux cliquer. Ah, d'accord. Voilà. Parfait, merci. Voilà. Ok. Donc, ouais, effectivement. Donc là, vous voyez qu'on est directement. Alors, le compté, le KONT, là, justement. Compté, il est. Est-ce qu'il a une config? Ouais, bah, justement, il considère qu'il n'est pas sûr qu'il l'a trouvé. Effectivement, le verbe compter, il n'a pas été repéré. Et ouais. Dans ce type d'outil, ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a la possibilité souvent d'intégrer du lexique à travers un dico personnalisé. Ouais. Et ça, c'est pas mal pour prendre en compte les entités nommées, tout ce qui est nom propre, nom lieu, etc. Et vraiment, ben voilà, ça améliore quand même un petit peu la qualité également de la transcription. Mais du coup, c'est vrai que là, j'ai pas fait le. On peut-être faire juste. Je fais rapidement les quatre premières lignes d'audio pour que vous voyez un peu la qualité en fait qu'on obtient. Je vais faire lire les quatre premières lignes. Je suis frappée aussi de voir la variété des projections qu'il peut y avoir sur les poupées russes. Chacun y met ses significations. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous parler des rythmes et vous dire combien l'enfant, je crois, les rejoint mystérieusement et les ressent jusque dans les fibres les plus intimes de son être. Voilà. Dans l'exemple que tu viens de faire écouter, justement, il y a des 1, E, et je repensais à ce que vous disiez sur les dictionnaires. Je me demandais si justement toutes ces disfluences, on ne pouvait pas les mettre dans un dictionnaire, et si du coup l'outil qui normalement ne donne pas ces disfluences les donnerait si on avait un dictionnaire qui force à donner ces disfluences. Ouais, et après, là, je vois pareil, il a fait le choix de ne pas mettre la répétition. Il y avait un et. Et donc, j'ai peut-être dormi à ce moment-là, mais je n'ai pas vu. Je ne sais pas si vous avez regardé ça, ces espèces de répétitions de langage. Genre, en fait, je pense que c'est plutôt des positions arbitraires du logiciel. C'est-à-dire que le logiciel est capable de détecter les e, les 1, les bas, les bas, etc. Et d'ailleurs, certains logiciels le font. Mais c'est une posture de dire, ben voilà, donc on va faire sauter, on va essayer de restituer un lexique le plus proche de l'écrit. Possible. Parce qu'effectivement, le fait de conserver les répétitions, les amorces, etc., ça ne va pas intéresser tout le monde. Donc, c'est vraiment une posture. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on puisse choisir ça. Dire, par exemple, je veux conserver les disfluences ou pas. Mais malheureusement, sur les outils qu'on a examinés, il n'y en a aucun qui propose cette fonction. Alors, quand même, il y a un ou deux outils, en particulier Vocapia et Video Indexer, qui, eux, transcrivent les disfluences. Alors, pas toutes, mais certaines. Pardon, je suis revenue parmi vous et du coup, il y a à nouveau l'abîme. L'abîme. Ouais. Ok. Je reviens donc pour l'éditeur. Voilà, en gros, hein, on vous a présenté en gros les principaux points.
Et vous voyez que c'est quand même pas non plus une usine à gaz, hein. C'est quand même assez circonscrit ce qu'on peut faire avec, mais c'est bien pensé. Vous voyez ici, là, il y a un certain nombre d'outils qui, à mon sens, n'existaient pas, ne serait-ce qu'en novembre dernier, où on peut par exemple mettre des pistes, donc effectivement cette histoire de dictionnaire là qu'on peut personnaliser. On peut aussi voilà, changer les paramètres du lecteur audio. On peut aussi fournir, alors ça c'est peut-être intéressant justement pour ceux qui mentionnaient des discours avec des langues différentes, on peut faire ce qu'ils appellent du multi-track uploading. Du coup, on peut avoir en fait des pistes audio différentes pour chaque locuteur et les faire transcrire en parallèle, ce qui permet à la fin d'avoir, parmi les choses qu'eux mentionnent comme avantage, d'avoir une reconnaissance parfaite des locuteurs, puisque à chaque piste correspond un seul locuteur, et dans la transcription finale, on a un fichier correctement identifié. Et là, j'imagine que du coup, si on a, mais c'est sans doute rarement le cas, un locuteur qui parle dans une langue et l'autre dans une autre langue, on pourrait avoir là, à ce moment-là, choisir des langues différentes. On peut aussi avoir déjà des transcriptions existantes, simplement vouloir réaligner de l'audio et du texte ou corriger certaines choses. Finalement, utiliser l'éditeur, en fait, comme on utilise, comme a fait Laure avec Word et un lecteur audio, hein, avoir une transcription d'un côté déjà faite ou à corriger, et puis un fichier audio, et puis utiliser l'éditeur de Sonix, non pas, enfin, utiliser Sonix pour son éditeur et pas pour sa qualité de transcription. On peut aussi avoir justement des étapes qui sont automatisées pour par exemple avoir un dossier Dropbox paramétré dans lequel on a des fichiers à transcrire et puis c'est automatiquement pris en charge par Sonix à partir du moment où c'est dans ce fichier. Pareil avec Google Drive, avec un certain nombre d'outils. Alors ça c'est nouveau, je pense que c'est merci le confinement ou au secours le confinement, mais il y a une intégration directe avec Zoom. Donc visiblement on doit pouvoir enregistrer transcrire des enregistrements en fait qui ont été faits sur Zoom. Et puis il y a des extensions. Voilà, en gros, on nous rappelle bien que c'est une version gratuite, d'essai, et qu'il faut faire la pub pour avoir des minutes gratuites ou acheter des minutes, du temps. Je pense que c'est intéressant aussi de vous montrer justement ces différents plans tarifaires. Alors, il faut que je retourne là, je pense. Comment je fais pour quitter? Bon, on va faire upgrade, ce sera plus simple. Voilà. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il y a des business plans qui sont différents. Donc il y a un plan standard, 10 dollars par heure. Ensuite, on a des plans premium, donc 5 dollars par heure. Et, mais par contre, on a des abonnements mensuels. Et puis, on a des abonnements entreprises. Donc ça, en général, c'est sur demande. Hein. Il n'y a rien de précis, c'est à négocier. Donc c'est là où on voit que ces plateformes, elles ont à chaque fois des offres qui sont un peu différentes et difficilement comparables aussi, parce qu'elles ont chacune un peu leur système qui leur est propre, quoi. Voilà, je vous propose de passer à YobiYoba maintenant, il reste 10 minutes, si ça vous va. Ouais. Et juste pendant que tu fais ça, dans le labo de ma femme, ils ont pris un abonnement pour tout le labo, un abonnement illimité, ils se repassent le code et ils s'enlèvent les fichiers au fur et à mesure, quoi. C'est, ouais, d'accord. C'est du bricolage, mais ça marche pas si mal. Ouais, okay. Je pense que c'est possible, hein. Je sais pas en termes de... Voilà, quel est enfin... Après, c'est possible aussi que la version entreprise soit plus intéressante que la version premium, hein. Je sais pas. Voilà, je sais pas si peut-être Daniel a un avis là-dessus. Et le seul problème que ça pose, effectivement, c'est le problème de confidentialité. Donc, c'est-à-dire que le fichier que tu vas faire transcrire quand tu as un abonnement partagé comme ça est accessible à tous. Oui, mais bon, tu es entre collègues, mais effectivement. Donc, c'est pour ça qu'ils se mettent d'accord sur les jours d'utilisation, quoi. Ouais, ok. Ce que j'allais dire, c'est que parfois, il suffit de demander, par exemple, pour Headliner, il suffit de déclarer qu'on est académique, quelqu'un voilà, qui appartient à une institution académique, pour avoir la totale gratuité du service. Donc je pense que c'est un peu des choses à négocier, comme tu disais, quoi. Ok, alors après, donc YobiYoba, donc là vous n'allez pas voir, donc pareil, pardon, l'interface de connexion c'est la même chose, hein. C'est, on peut utiliser son identité Google ou alors avoir une adresse mail avec un mot de passe. Je vais peut-être aller directement au tarif pour vous montrer leur plan à eux. Donc, comme je vous disais, ça, c'est pas la version Vocapia qui est plutôt à destination, enfin, qui serait en fait l'équivalent de la version entreprise de Sonix, ça serait Vocapia. Et YobiYoba, c'est plutôt justement pour des transcriptions de petits volumes.
donc à partir de 4 centimes d'euros par minute. Et en fait, c'est en fonction de ce qu'on choisit comme... en gros, on peut choisir d'acheter 1 heure ou 10 heures ou 50 heures ou 100 heures, voilà. Et en fonction, c'est dégressif, le tarif est dégressif. Donc moi, là, j'ai payé 50 euros. Enfin, en fait, à l'issue de ce travail, je me suis dit que j'avais quelques entretiens que j'allais sans doute passer sur Yobi Yoba. Donc j'ai payé 50 euros qui seront pris en charge par le budget de mon labo plus tard. Et avec ça, j'ai 10 heures. Voilà. Là, je pense que ce qui m'étonne, c'est que normalement on devrait avoir les tarifs, je vais voir en me connectant. Donc je me connecte avec mon identifiant et mon mot de passe, c'était les seules informations qui m'avaient été demandées, parce qu'on peut se connecter sans, pour tester sans avoir de comment dire, sans avoir de crédit en fait, c'est possible. Le paiement se fait uniquement par PayPal, donc là vous voyez, hein, j'ai un compteur de temps qui, quand on s'inscrit et qu'on n'a pas acheté de temps, est à zéro, donc avec Yobi Yoba, on ne peut pas tester nos propres fichiers, mais par contre on peut avoir accès à des fichiers d'exemple qui sont là par défaut, qui sont ces deux exemples-là, exemple français et exemple anglais. Donc là moi j'avais déjà téléchargé 5 minutes comptine, donc on va refaire la même chose, je vais télécharger physionomie cette fois. Hop. C'est juste, je peux ajouter quelque chose par rapport à Yobi Yoba. Mmh. En fait, on a la possibilité de le tester avec ses propres fichiers, mais il faut avoir un code de... Ah, d'accord. Voilà, un code et qu'on peut retrouver sur leur Facebook ou leur Twitter, je ne me souviens plus, un des deux. Mais si vous cherchez code Yobi Yoba, vous allez tomber dessus et ça permet d'avoir une demi-heure d'essai, quoi. D'accord, ok. Vous aurez deviné que c'est Daniel a fait partie du groupe qui a traité les fonctionnalités, tarifs et toutes des plateformes. Du coup, voilà, on a ici, donc on peut choisir entre transcrire ou aligner une transcription, un peu ce dont on parlait tout à l'heure pour Sonic, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'outil pour transcrire, mais simplement pour améliorer un fichier déjà transcrit ou faire une connexion, par exemple changer les balises temporelles d'un fichier déjà transcrit en lien avec un audio. Donc là, moi, je veux transcrire, j'ai mon document ici. Et là, encore une fois, je dois sélectionner la langue. Donc, on peut choisir automatique, hein, mais je préférais mettre la langue. Donc, vous voyez encore une fois qu'on a pas mal de choix. Donc, turc, suédois, russe, roumain, portugais, brésilien, différent du portugais du Portugal, polonais, persan, etc. Donc là, moi, c'est du français. Hein. Alors, on a le choix entre les deux. J'ai mis quoi ? J'ai mis physionomie. Donc, c'est pas un contenu qui traite de l'actualité. Il y a une option ici, cocher cette case s'il s'agit d'un enregistrement téléphonique. Donc, c'est pas le cas. Ici, vous voyez qu'on peut ajouter du vocabulaire. Donc, c'est là qu'on peut mettre un dictionnaire. Donc, ça se présente comme ça, hop. Soit on met le vocabulaire directement ici avec des virgules, soit on met un fichier, enfin, on dépose un fichier, en fait, directement sur la plateforme, formaté de la même façon. Ou alors, on peut aussi, dans la même idée, avoir rajouter de la contextualisation, c'est-à-dire, en fait, des phrases qui traitent du même sujet que le fichier audio a traité. Pareil, soit copier-coller là, soit en intégrant un fichier. Donc, ce n'est pas le cas non plus pour moi ici. Même si ça aurait été intéressant, par exemple, de mettre un dictionnaire avec des termes au subjonctif ou voilà. Hop. Et donc là, il me demande bien que je suis bien d'accord. Ce fichier fait bien 5 minutes et donc 5 minutes seront décomptées de mon temps. Donc oui, j'accepte le décompte. Et là, vous voyez que ça s'ajoute à la pile et qu'on a en cours de traitement. Donc, on peut regarder. Hein, ça fait 5 minutes. Là, j'ai lancé à 16h25. On va regarder à quel moment. Bon, là, comme j'ai un peu parlé, il indique 16h23, mais sur mon ordi, c'est 16h25. Donc, on va regarder combien de temps il met à transcrire ces 5 minutes. Et ensuite, on va pouvoir voir quelles sont les fonctions d'édition. Donc, dans la zone Mon compte, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est vraiment les informations un peu nominatives classiques, le mot de passe, tout ça. Ensuite, on a le fameux compteur de temps et puis là, on peut choisir de se déconnecter. Donc, c'est une interface qui est vraiment très simple et intuitive, enfin, assez ergonomique. Vous voyez que là, on a quasiment fini et on est à 16h26. Donc, voilà, c'est quasiment une minute. Ça a mis un peu moins d'une minute ou une minute pour ce fichier de 5 minutes. Donc là, on peut l'écouter. Donc, on a ici la piste audio. De la physionomie. Chapitre 12. Voilà, donc on a un petit lecteur ici qui se met en place. On peut réexécuter, donc choisir de relancer la transcription ou alors consulter la transcription. Donc là, on a ce petit pop-up qui s'affiche. On peut choisir donc de consulter ou modifier la transcription ou de l'exporter directement. Donc là, je vous montre justement encore une fois les différents formats qui existent.
Donc on a PDF, XML, doc, docx, texte enrichi, RTF, CSV, TTML, sous-titres. Enfin, vous voyez, on a pas mal de choix possibles. Hop, voilà, sous-titres aussi. Donc là, on ne va pas faire ça, on ne va pas télécharger tout de suite. On va d'abord consulter et modifier. Alors là, ce qui est intéressant avec Yobi Yoba, et comme Vocapia, si j'ai bien compris le travail que Daniel et Jean-Philippe ont fait, en fait, c'est le seul qui va identifier les locuteurs suivant des caractéristiques propres. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire là, c'est locuteur 1, puis là, il y a un changement qu'on va appeler locuteur 2. Il va dire c'est un homme ou une femme, déjà. Donc, il est capable d'identifier à la voix si c'est un homme ou une femme qui parle. Et ensuite, il promet, en tout cas, et visiblement, d'après certains tests qui ont été faits, ça fonctionne pas mal, de pouvoir réidentifier le locuteur 1. C'est-à-dire qu'il va savoir que c'est le locuteur 1 qui parle, et pas le 2 ou le 3. Et il va pas faire seulement un changement de locuteur par défaut, quoi. Il va vraiment identifier quelle personne parle. Et à partir du moment où on a renseigné qui est cette personne, donc là, on va dire c'est quelqu'un qui fait c'est un récitateur ou un lecteur. Il va garder en fait, pour tous les segments. Voilà, je vous appliquer ce changement à tous les segments concernés par locuteur MS1. Donc justement, il va deviner que ce locuteur-là, il intervient à d'autres endroits et on va avoir ce même locuteur pour tous les segments, quoi. Donc là, c'est un monologue, donc forcément, il n'y en a qu'un. Et donc, encore une fois, on a cette correspondance entre l'audio et le texte. Donc, si je clique là, vous voyez ici, alors, hop. Ici, en fait, on a le fichier audio, là. Et puis, là, ici, des segments donc qui sont découpés, c'est une sorte de zoom. Donc, si je suis donc là, donc nous ne serions, et que je clique. Nous serions pirement choisir que par nous. En un siècle si faible. Donc pareil que pour Sonix en fait, hein. On a la même fonctionnalité pour ça. On peut aussi là choisir de réduire, enfin de modifier la vitesse de lecture. Voilà, et puis on peut du coup changer encore une fois les sauts de ligne, en rajouter, etc. Voilà, on peut donc exporter comme on a vu. On peut réaligner justement certains segments ou tout le document. On peut choisir. Alors, l'éditeur, vous voyez, est un peu plus simple que celui de Sonix malgré tout. On a un certain nombre d'options ici qu'on peut choisir qui peuvent être intéressantes. Pardon, excusez-moi. On peut choisir, par exemple, de sauvegarder automatiquement en brouillon à chaque fois qu'on fait un changement, ou au contraire que ça soit sauvegardé uniquement quand on fait une action volontaire de sauvegarde. On peut choisir de désynchroniser ou de synchroniser le défilement du document avec le lecteur audio. Donc, si par exemple, je vais là. Hop, normalement, vous voyez, il m'indique qu'on se situe là dans le texte. Hop, là, on est choisir que. Donc, si après, je vais plus loin dans le texte, donc par exemple là, hop, on atterrit directement. Et si je décoche ça, normalement, ça change. Donc, si je vais là, pour valider. Ah, non, il faut le lire. D'accord, pardon. En fait, c'est quand on lit le fichier. Au moment où le fichier audio est lu, l'éditeur soit va dans le texte, soit n'y va pas. Donc on a un certain nombre d'options comme ça qui permettent d'aider aussi l'édition, quoi. Surligner le texte en train d'être lu, afficher le timecode de la frontière entre deux segments ou pas. Donc là, par exemple, on a un timecode qui est indiqué, etc. Donc les options sont un peu moins développé, je dirais, que pour Sonix, mais ça reste malgré tout quelque chose de très utile, et notamment, c'est vraiment, enfin, moi, je trouve ça très confortable, en tout cas, de pouvoir justement avoir cette correspondance exacte entre un mot et un signal, quoi. C'est vraiment très confortable de pouvoir identifier exactement où est-ce qu'on se trouve dans le texte. Il y a plusieurs questions du coup qui arrivent sur ce logiciel par rapport à l'autre. Ouais. Déjà, tu as répondu à une question qui avait été posée sur est-ce que le logiciel peut déterminer si oui ou non c'est une femme selon la transcription. Là, ouais. Celui-ci le fait. Ouais. Moi, je me demande si en fait dans l'orthographe, il arrive à féminiser l'écriture quand il a vu que c'était une femme ou pas. Mais ça, c'est une autre. Ah ouais. Tu vois. Ouais. Mais bon. Et donc, et combien il peut en repérer comme ça de locuteurs différents? Est-ce qu'il y a une limite?
Et puis, pareil, tu parlais du. Il y a les petits points de suspension sur le côté quand tu vas à la ligne et tout, mais on ne voit pas les time codes. Donc, on se demandait s'il y avait la possibilité d'afficher le temps et les time codes sur. Tout à l'heure, on les voyait, là, on ne les voit pas sur ce. Alors, est-ce que Daniel peut m'aider là-dessus? Parce que moi, j'en ai pas eu. C'est des questions ouvertes, c'est pas grave s'il n'y a pas la réponse. Hein. C'est, voilà, c'est des questions, c'est tout. Alors. Ouais. Moi, je ne connais pas très bien Yubioba, on vient de le découvrir, c'est une version bêta, donc c'est un site qui vient, comme tu disais tout à l'heure, je crois, bon, qui est très récent, donc qui est en cours d'évolution. Il me semble qu'on peut afficher les timecodes, mais je ne sais pas comment faire. En bas, simplement... à côté du lecteur, dit quelqu'un. Il y a quelque chose, ouais, alors, pardon, juste avant de revenir là-dessus, il y a un truc que je n'ai pas dit, c'est qu'au moment où on exporte, on peut choisir, en fait, là, d'afficher les locuteurs au moment d'export et les timecodes. Donc, du coup, c'est aussi possible qu'il ne soit pas inscrit sur l'écran, mais par contre, qu'il soit présent au moment où... Et qui, du coup, je pense que chaque thème correspond à un segment, en fait, ici. Voilà. Mais du coup, on peut choisir voilà, d'exporter... Ouais, ou pas. Et alors, la personne disait en bas, à droite Les timecodes sont en bas, à côté du lecteur. Ouais, ici. Mmh. Mais dans le texte, par contre, on n'a pas. Ouais, on s'attendait à ce qu'il soit près des points de suspension, en fait. Quand tu cliques. Mais il se peut qu'il soit quelque part. Hein. Et sinon, il y a un truc intéressant qui est sur Vocapia. Alors, je ne sais pas si ça a été repris par Yubioba, donc qui est une filiale. Mmh. C'est que Vocapia ne facture que le temps de transcription du texte. S'il y a des pauses, il ne facture pas. Donc, si pendant une heure, voilà, si sur un signal d'une heure, il y a 50 minutes d'oral, il ne facture que 50 minutes. Ça, c'est intéressant aussi. Par contre, je ne sais pas si c'était repris par Yubioba. Alors, effectivement, quand moi, j'ai sauvegardé mes super changements, là. Quand j'avais fait cette transcription la première fois, il m'indiquait qu'il y avait, sur mes 5 minutes, il n'y avait que 2 minutes 30 de texte, enfin, de retranscrire. De conversation. Fait. Et ouais. Ça, c'est super intéressant, quoi. Et je crois que ça se peut le faire. Mm. Ouais, d'accord. Parce que je m'étais demandé, du coup, si ça faisait ce que tu disais, en fait. D'effectivement, c'est là, donc là on a la durée, mais on peut normalement on pouvait voir le décompte. Ouais, durée de parole, voilà. En fait, voilà, c'est durée de parole, donc ça c'est vrai. Ouais. Donc là, pour physionomie, on a 4 minutes. Et je crois que c'est pour l'autre qu'on a moins. Ouais, on a 2 minutes 20 sur 5 minutes. Et pourtant, on a l'impression que c'est une conversation en continu hein, sur les 5 minutes. On a vraiment l'impression que ça parle tout le temps, quoi. Et en fait, non. Et du coup, si je vais à mon compteur de temps, pour voir, parce que normalement, je devrais avoir 10 minutes en moins, en théorie, et en fait, j'en ai 7 minutes, donc c'est bien ça. Il a calculé le... Enfin, j'ai 6 minutes 60. Donc, il a bien cumulé les 4 et les 2 minutes. Enfin, non, c'est 20, ouais, puisque c'est 60 secondes. C'est ça, en fait, il a bien cumulé 4 minutes plus 2 minutes 20. Ça fait 6 minutes 20. Et il les a retranchés de mes 10 heures. Donc, il faut espérer qu'on a des locuteurs qui ne sont pas bavards. Alors, après, l'autre partie de la question, c'était combien de locuteurs il est capable de détecter. Alors, c'est une fonction automatique. Hein. C'est pas très fiable. C'est même pas fiable du tout. Il faut le savoir. Il ne faut pas trop compter dessus. Il fait ce qu'il peut. Mais parfois, même quand il y a deux locuteurs, il signale qu'il y en a 9. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite. Hein. Mais c'est pas très, très fiable. Je reviens parmi vous parce que je pense que moi j'ai montré un peu le principal hein, là. Il y a pas. Voilà, je pense que c'est bon pour. Enfin, de mon côté, je peux arrêter maintenant de parler. je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres. Il y avait encore une question sur la fonction double track qui a priori est disponible sous Sonix. Et est-ce qu'elle est disponible aussi sous Yubioba? À première vue, je dirais que non. Je ne sais pas si Daniel, tu as vu autre chose, mais non. Mais ce que je disais, j'ai très peu utilisé Yubioba, mais je ne crois pas. Ouais, je ne crois pas non plus. Parce que d'emblée, dans Vocapia, il n'y a pas cette fonction-là. Et comme c'est vraiment un clone de Vocapia, alors pas tout à fait, parce que j'ai remarqué que certaines transcriptions, il y avait des toutes petites différences. Mais on voit qu'il y a le même moteur de reconnaissance, les mêmes algorithmes, les mêmes modèles. Mais il peut y avoir quand même des toutes petites différences. Voilà.
Ah oui, quelqu'un qui demande s'il donne une évaluation de la qualité de la transcription, non. Et en fait, moi j'aimerais bien savoir comment ils évaluent ces qualités, enfin cette espèce de température là de Sonix, les probabilités de que le mot soit bon ou pas. Je sais pas sur quoi ils se basent pour faire ça. Il doit y avoir différents algorithmes heuristiques. Il y a un site qui est intéressant pour ça, qui est IBM Watson, donc également un logiciel de reconnaissance automatique de la parole. Et on voit les choix qui sont faits au fur et à mesure qu'il affiche la transcription. La transcription est complètement nulle, pour ainsi dire. Voilà, elle est très, très mauvaise. Mais on voit quand même quels sont les choix qu'il a faits et quels sont voilà, les choix entre les différents lexiques qu'il a opérés et avec un pourcentage de probabilité qui est rattaché à chaque lexique. Alors, quelqu'un demande aussi pour proposer à son labo un abonnement, est-ce qu'il vaut mieux passer par Vocapia plutôt que Yobi Yoba? Et une idée du coût. Alors, justement, ben, Daniel, du coup, dans ton laboratoire, vous êtes en contact avec. Alors, oui, alors nous, on a souscrit, mais il y a très longtemps, et visiblement, je crois que c'est pas Gaël qui a fait une demande à Vocapia récemment, et en fait, ils l'ont renvoyé vers cet outil, c'est comme ça qu'on l'a découvert, hein. Donc, moi, j'ai l'impression que Vocapia, pour avoir un abonnement avec eux actuellement, il faut vraiment venir avec un très gros corpus. Oui, il m'avait dit Et minimum 50 heures. Ils m'ont répondu. voilà. Voilà, 50 heures, et peut-être un système d'abonnement mensuel, etc. Donc, voilà. Sinon, je pense qu'ils vont maintenant, à partir de maintenant, ils vont renvoyer systématiquement sur cet outil, hein. Ouais, j'ai l'impression que la plus-value de travailler avec Vocapia, d'après les échanges qu'on avait eus ensemble là, dans le groupe, hein, c'est aussi que du coup, ça fait un lien direct avec les concepteurs et que ça permet. C'est un peu ce qu'on disait avec le fait que oui, on travaille pour eux avec l'éditeur, mais en même temps, au final, on a un produit qui est plus performant. Donc là, c'est pareil, en fait, d'être en contact directement avec les développeurs et tout, notamment, ça permet de travailler sur peut-être des lexiques particuliers, des choses comme ça. C'est ce qu'on avait fait. Nous, on avait essayé d'enrichir un petit peu le corpus par rapport. C'était des corpus de classe, hein, et on avait envoyé beaucoup de corpus déjà transcrits, donc des transcriptions de corpus pour aider à améliorer la reconnaissance. Et au final, je me souviens plus combien de dizaines d'heures on avait envoyé, mais c'était quand même assez conséquent. Et au final, on arrivait quand même à améliorer de 2, 3, 4% le pourcentage de reconnaissance sur un corpus particulier, sur un type de corpus particulier plutôt. Et juste là, sur cette discussion, en fait, j'ai des accès un peu individuels, alors soit par chercheur, soit par unité auprès des plateformes. En fait, moi, ça me fait penser à la situation dans laquelle on était dans les années 80, quand des chercheurs voulaient accéder aux données de l'INSEE. Et puis, à un moment, d'ailleurs, c'est l'INSEE qui l'a dit, en fait, la communauté scientifique, que ce soit des économistes, des géographes ou des sociologues, c'est qu'un seul client, c'est qu'une seule personne. Et je pense que ça vaut vraiment le coup. Alors, je ne sais pas comment le monter, mais de voir si ça passe par Humanum ou une autre structure, mais dire qu'on n'est qu'un seul client et qu'on ne vient pas négocier 50 heures ou 72 heures, mais un volet, je ne sais pas moi, de 500 ou de 1000 heures par an, avec un abonnement qui est beaucoup plus intéressant et chacun puisse en profiter. Hein. C'est ce genre de démarche, c'est fait par le passé et peut continuer à se faire sans aucune difficulté, je pense. En tout cas, ça vaut le coup de tenter. Ouais, puis c'est vrai aussi que le fait que ces outils-là s'améliorent avec l'utilisation qu'on en fait, enfin de façon directe, du coup, ça vaudrait le coup aussi qu'il y ait, enfin, je sais pas si c'est possible ou pas, mais que la plupart des chercheurs utilisent deux ou trois mêmes outils, ça contribuerait en fait à avoir, enfin, des outils qui sont entraînés particulièrement pour des corpus auxquels on est confronté dans nos travaux de recherche et pas seulement aux conférences TEDx qu'on trouve sur YouTube, quoi. Il y a Justine qui répondait par rapport au nombre d'heures qu'on a envoyées chez Vocapia, bah c'est environ 300. Effectivement, c'est peut-être plutôt des cours de physique chimie. Alors non, Justine, l'ANR, On s'est posé la question quand même, hein. c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, mais en fait, ce qu'on fait, il faudrait un vrai cadre en fait de travail pour aller au bout, quoi. Enfin, pour faire quelque chose de. Toutes les idées qu'on avait ne tenaient pas du tout dans notre cadre bénévole, en fait, et la petite équipe qu'on était, qui est quand même 6 personnes, c'est quand même conséquent, hein. Et puis on a tous travaillé beaucoup, donc. Par rapport, oui. Non, pardon, vas-y, Daniel.
Non, je ne sais pas si tu voulais peut-être réagir. Il y a une question par rapport à l'ordre d'idée pour un labo. Du coup, pour un labo, bah, ça dépend complètement du nombre d'heures, etc., et de la négociation, quoi. Et moi, je voudrais rajouter un point là-dessus dont on a beaucoup parlé entre nous et qu'on n'a pas trop évoqué aujourd'hui. C'est qu'il faut compter en plus du coût, le coût d'utilisation de l'outil, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi compter le coût de correction des transcriptions. C'est-à-dire qu'utiliser ces outils, ça ne nous dispense pas de payer des gens pour qu'ils fassent la correction fine dont on a tous besoin. Et donc, il faut évaluer ça aussi. Ça a été dit, je crois, dans la présentation d'Élise, en fait, c'est vraiment un outil d'aide à la transcription. Et on ne peut en aucun cas se passer d'un retour au signal pour vérifier effectivement si la transcription est pertinente ou pas. Après, en retour, c'est Justine Lascar qui parle, ça permet quand même aussi d'avoir un accès tout de suite aux données, même s'il n'est pas très bon ou quoi, ce qui est quand même assez satisfaisant dans la chaîne de production des données, de passer tout de suite, d'avoir son entretien et de, le lendemain, pouvoir déjà avoir une première version, même si elle est ce qu'elle est avec… voilà, mais en tout cas… d'avoir déjà un support à retravailler, d'aller quand même assez vite dans le… Enfin, ça motive aussi pour aller la corriger. Non, mais voilà, parce que je sais que mon travail, là, on est vraiment sur des transcriptions, voilà, très fines, linguistiques, voilà, et on a un protocole où après, on repasse par Elan, et où en fait, notre sortie Vocapia nous crée quand même un locuteur où c'est déjà balisé, où c'est déjà… et ça permet quand même tout de suite d'aller à un extrait assez rapidement et d'aller corriger nos 2-3 minutes, même pour une présentation, un article, de pouvoir déjà avoir un écrit relié à du texte, même si effectivement on va le retravailler. Mais enfin, moi, je trouve que c'est quand même ce côté-là assez… qui est assez satisfaisant de pouvoir… travailler vraiment rapidement sur les données au niveau de la transcription. Sauf si on a un fichier comme Harmony. mais sinon, ouais, c'est clair. Hein, c'est clair. Et moi, on ne travaille pas avec des fichiers comme Harmony où c'est que du… Mais même comme ça, ça te permet quand même d'avoir une première base. Voilà. Je pense que la qualité aussi de l'enregistrement, enfin, c'est vraiment je pense qu'il faudra aussi revoir sur comment enregistrer, comment bien enregistrer justement avec les micros, parce que ça joue vraiment beaucoup sur la qualité de la transcription. Et justement, on avait déjà fait un tuto sur la prise de son dans les sciences sociales où on insistait déjà sur la qualité de l'enregistreur, ne pas forcément partir avec les enregistreurs moyenne gamme qu'on trouve dans les magasins d'électroménager. Et c'est vrai, donc là-dessus, enfin, je vous invite à aller revoir le tuto sur la prise de son de Julien Tardieu. Oui, c'est très important, bah, non seulement dans ce but, hein, éventuellement de faire une retranscription automatique, mais déjà pour la personne qui va devoir travailler sur les données, quoi. Je veux dire, un bon son sans bruit de fond, etc., c'est tellement important qu'on va travailler des heures et des heures sur son corpus. Moi, je veux quand même dire, dans le groupe, j'étais, on va dire, la plus nulle avec les plateformes. Ça, le degré de nullité qu'on a pour s'approprier une plateforme, il y a aussi un coût d'entrée dans les plateformes. Donc, c'est vrai que ce n'est pas à utiliser pour 2-3 entretiens. Après, moi, c'est pareil, comme beaucoup, on travaille sur des corpus avec 100, 200 entretiens, voire 300. Voilà. Mais il y a quand même un coût d'entrée. Pour s'approprier correctement la plateforme. Et juste rappeler ça, parce que j'appartiens à la catégorie quand même d'équipe. Là, ça m'a demandé quand même un peu de travail. Oui, ça veut dire qu'il y a un coût global de cette affaire-là, c'est-à-dire le temps qu'on va mettre effectivement à s'approprier de la plateforme, le temps qu'on met pour déposer les données, pour avoir les résultats, pour les vérifier, pour les corriger, c'est tout ça qu'il faut essayer d'évaluer. Alors après, comme on disait, c'est difficile tant qu'on n'a pas fait l'essai avant, quoi. Et ce qu'on nous conseillait, effectivement, c'est plutôt que de se lancer dans un outil payant directement et peut-être à fond perdu, c'est peut-être d'essayer avec les plateformes gratuites comme YouTube. Alors YouTube, c'est pas une sinécure quand même, mais
ou Headliner, par exemple, ça permet d'avoir une idée de la performance des outils. Et ensuite, si on estime que c'est intéressant, peut-être se diriger vers des outils payants qui sont un peu plus performants. Oui, parce que je pense qu'il y aurait un risque aussi avec le travail qu'on a fait de considérer nos corpus audio comme des archétypes, ce qui n'est pas le cas en fait. Et du coup, il y a quand même des différences très importantes, même avec un autre cours enregistré, par exemple, peut-être que la qualité sera moins bonne, qu'il y aura plus de bruit de fond, qu'il y aura des élèves qui toussent, j'en sais rien. Et du coup, les résultats seraient sans doute pas les mêmes en fait. Donc c'était intéressant de pouvoir mettre en valeur pas mal de différences entre les plateformes et les difficultés sur lesquelles elles butent. Mais je pense pas qu'on puisse se dire, par exemple, bon, bah moi, là, j'ai un monologue à retranscrire, alors je vais gagner tant de temps si j'utilise telle plateforme. Ça sera pas possible, en fait, je pense, d'extrapoler. Tu es en train de dire que la solution magique et la réponse nette et tranchée n'existent pas. Oui. Et typiquement, il y a un certain type de campus qui va poser énormément de problèmes. C'est une conversation à bâton rompu où il y a énormément soit de chevauchements, soit de changements de tour de parole. Là, les plateformes, aucune, elles n'apprécient pas du tout. Et même si le signal est de très bonne qualité. Moi, j'ai par exemple des situations de classe où il y a des élèves qui parlent entre eux simplement dans le cadre du cours, dans le cadre d'un TD. Hein, et c'est complètement compréhensible par une oreille humaine, mais par contre, par un traitement automatique. C'est pas encore ça. Bon, chers collègues, je vois l'heure qui tourne. Je vois une discussion passionnante, mais qui a déjà donné lieu à une restitution dans un rapport qui va bientôt être publié, dans un tuto qui a été très bien mené par Élise grâce à tous ses collègues, qui a été mis en image aussi par Élise. Félicitations, c'était... Jamais on a eu autant de dessins animés dans un tuto. S'il y a des toutes petites questions ou remarques, on peut peut-être les prendre rapidement. Ça peut donner aussi suite à, je sais pas, un autre tuto, un autre atelier, à une journée d'études, une ANF, une école thématique, c'est pas une ANR ou autre. Hein, c'est là-dessus, je vous laisse voir. Mais en tout cas, je pense que c'est au nom de tout le monde. Hein. Merci, merci Élise, et puis merci Gaëlle, Sandrine, Laure, Daniel et Jean-Philippe d'avoir fait ces tests, de l'avoir valorisé de cette manière, de ces manières. Et puis, j'espère qu'on pourra vous lire aussi bientôt dans des publications scientifiques afin que ce travail soit réellement valorisé. Quoi. Et puis, merci aussi à l'ensemble des participants qui sont restés, qui ont été très très sages. On n'a pas eu d'intervention de Brimrico ou Parasite. Hein. Merci à tous d'avoir participé à ce tuto. Donc je vois un flux de merci qui défile. J'espère que tu auras le temps de les lire. Je ne sais pas si les collègues veulent rajouter quelque chose, mais en tout cas, voilà, merci à tous pour cette session. Non, juste merci. Et on espère donc que ça sera bien mis en ligne prochainement. Mais on ne connaît pas bien la plateforme BlueButton, donc on a un petit doute sur savoir combien de temps ça va nous prendre de réussir à extraire les fichiers vidéo, etc. Mais bon, on espère. Mais ça ne sera pas demain comme souvent c'est les tutos. Ça, c'est sûr. Merci à tous. Merci à vous. Oui. Vraiment merci. Merci beaucoup.